When I call your name, you will come forth. I shall place the sorting hat on your head, and you will be sorted into your houses. Is levitation, the ability to make objects fly. Wingardium Leviosa. You're going to take someone's eye out. It's Leviosa. Pierre Totem Locomotor. Et bon, hop, voilà, me voilà, attendez, ok, il y a eu un petit fail, et bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous accueille déjà sur ce petit fail où je clique sur le mauvais bouton comme si c'était là déjà la fin du stream, mais pas du tout, on se retrouve ce soir pour du Sims 4 et non pas pour la rénovation des mondes, puisque la rénovation des mondes est temporairement mise en pause puisque nous avons enfin terminé Tomarang. Il ne restera plus qu'à faire San Mishuno, mais celle-ci on la mettra un petit peu de côté pour l'instant et on va tout simplement attendre le nouveau pack d'extension qui sortira à la fin du mois. Ce soir, qu'est-ce qu'on va faire? Du coup, ce soir on va participer au challenge de la copine Sisourine où on doit construire une maison de plein pied. C'est ça qui va être le plus dur pour moi, je pense. Une maison de plein pied qui est un peu en ruine, qui était délabrée à l'abandon et qu'il faudra rénover et qui soit fonctionnel. Donc là on est sur du triple challenge, une maison en rez-de-chaussée, déjà une maison détruite, j'en fais rarement, et en plus de ça faut que ce soit fonctionnel, enfin vraiment que la maison soit fonctionnelle. Donc on va essayer, je garantis pas le succès mais on va essayer. Je vais déjà commencer comme d'habitude à vous dire bonjour. Donc coucou Légion, coucou Amour, coucou Calarta, coucou Poupi, coucou oh la Félix, coucou Poupi, coucou Héloïse également, comment ça va tout le monde, comment allez-vous, et coucou Amarose également, coucou Sinoc, comment ça va. Ah, attendez, qu'est-ce qui se passe. Merci à la personne qui m'a donné un sub, mais oui, hier c'était un subathon. D'ailleurs je voulais encore une fois vous remercier pour hier, c'était vraiment un subathon qui est très sympa, on s'est vraiment bien amusé, etc. Vous avez bien vu les nouvelles alertes en plus pour le train de la hype, que j'ai vu que ça vous a, bah, comme son nom l'indique, ça vous a plutôt hypé. Merci encore parce que je crois qu'on a fait quasiment 150 subs supplémentaires, donc vraiment merci beaucoup, vraiment merci, ça m'a fait très plaisir. On n'a pas terminé excessivement tard, ce qui moi m'a permis de me reposer aujourd'hui, et vu que j'ai mal à la gorge encore ce matin, depuis ce matin, et ben écoutez, c'est pas plus mal. Donc vraiment merci à vous. En plus on a fait du Pokémon, je sais pas pourquoi j'arrête pas d'avoir Pokémon en tête, il va falloir que je fasse un stream sur Pokémon pour que ça, pour exorciser le truc. Ça fait au moins 4 ou 5 fois que je me trompe dans les jeux. Donc je disais, on a fait du Sims, on a fait du Animal Crossing et du Stardew Valley. Et oui, et pour ceux qui n'étaient pas là hier, nous avons bien dégusté la pizza hawaïenne à l'ananas. Spoiler alerte, ça n'a strictement aucun intérêt de manger cette chose. On a également mangé les pêches au thon. La même chose, je ne comprends pas l'intérêt gustatif de la chose. On a goûté également pas mal de chips également. Et j'ai eu de la chance. J'ai quand même eu de la chance dans tout ça. Je n'ai pas eu à goûter les chips au vinaigre, qui sont les chips qui m'auraient fait vomir à l'instant T. Du coup, ils sont enfermés dans le placard. Qui sait si un jour j'invite des gens chez moi, et ben du coup, je leur donnerai ça. Maintenant, moi, j'en me rends pas. Et oui, coucou tout le monde, coucou à Lily également, comment ça va? Du coup, comme je vous disais, on va faire un challenge construction ce soir. Je me suis un peu, j'ai un peu regardé les maisons, un peu, enfin des maisons sur internet, etc. Des maisons de plein pied, un peu style américaine. Et après, on va relire les règles de la copine Sisourine parce que je crois qu'elle veut encore 12 millions de trucs dans sa maison. Donc, on va voir un petit peu comment est-ce qu'on va s'organiser pour tout ça. Et attendez, parce que du coup, aujourd'hui,
Parce que après avoir mangé n'importe comment, comment pendant hier, j'ai quand même pris un avant midi des pêches au thon. Donc pêche au thon mayonnaise, c'était voilà. Après j'ai passé ma journée à bouffer des chips. Et après le soir, qu'est-ce que j'ai mangé? J'ai mangé une pizza hawaïenne. Bon, j'avais pour une pizza achetée, une pizza offerte. Du coup j'avais, alors c'est toute petite pizza, attention. Hein. Pizza hawaïenne. Du coup j'avais aussi je m'étais pris aussi une pizza savoyarde. Donc ça va, j'ai un petit peu sauvé la mise, mais parce que la pizza hawaïenne, je comprends vraiment l'intérêt gustatif du truc, je comprends pas. Autant, autant faire une pizza vraiment exotique si vous voulez, avec de la genre curry coco ananas si vous voulez, poulet curry coco ananas, ça serait peut-être passé, mais là jambon enfin jambon mozzarella sauce tomate ananas, je comprends pas l'intérêt. J'ai trouvé les chips au pastis. Ouais, j'ai vu ça, j'ai vu que vous êtes plusieurs, mais en fait j'ai même reçu des messages privés de gens qui avaient trouvé les chips au pastis. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Qui avait vu les chips au pastis. Moi malheureusement là où je suis allé, eh ben il y en avait pas. Donc en vrai, j'ai envie de dire heureusement et à la fois pas heureusement. Peut-être qu'un jour, quand j'aurai besoin d'une idée de sub-goal pour un événement ou autre, et ben je pourrais, on goûte les chips au pastis. Ça peut toujours revenir à un moment donné ou à un autre. C'est bien ça qui lâche un petit peu, ouais. Qu'est-ce que tu penses du prochain? Bah coucou Manon. En vrai, pour l'instant, on n'en sait pas trop, mis à part la bande-annonce. En termes de gameplay, je trouve ça dommage que ce soit pas quelque chose qui était plutôt dans le pack mariage. Ça fait un peu redondant au niveau du thème avec l'amour, même si là, parlons crûment. Ah, mariage, c'est l'amour romantique et blablabla et blablabla fleur bleue. Et alors là, on est sur amour fou, on est plutôt sur le pack ça ken, ça bang bang, ça tape dans le fond quoi. Excusez-moi du terme. Mais voilà, on est plutôt là-dessus sur ce pack amour fou. On est clairement sur un amour un peu plus bestial quoi. Non mais c'est vrai, excusez-moi, à un moment donné, faut parler crûment. Littéralement, là de ce qu'on a vu sur la bande-annonce, on est clairement sur du Peggy, peut-être pas Peggy 18, mais on est peut-être sur du Peggy 16 quand même là. Donc voilà. Donc voilà, ça va, nous sommes entre adultes consentants, vous ne faites pas les choquer. C'est bon, hein. Je crois que... excusez-moi, du coup je rigole tout seul, je viens de me rendre compte de ce que je viens de dire en live. On a dit Bastien Bouy, bah oui. Et coucou Lizzie Fred, comment tu vas? J'en ai un Carrefour, mais moi j'ai regardé Auchan ce matin parce que j'avais 2-3 courses à faire puisque Nuxi n'avait plus de croquettes. Du coup j'ai regardé quand même dans le je suis quand même retourné au truc des chips et il n'y avait pas de, il n'y avait pas au pastis. Par contre il y avait poulet braisé et il y avait côte, je sais pas quoi, entrecôte ou un truc comme ça. Donc voilà, quel honneur de la niche de DS, mais pardon, quoi, comment. Et voilà, je suis choqué, oh là là, je suis pur, je ne veux pas entendre ça, carrément. Voilà, je pourrais te faire redécouvrir de tellement de façons que tu ne saurais pas qu'il y a de l'anis. Alors moi, l'anis, je déteste le goût et l'odeur de l'anis, donc ça va être compliqué. C'est le pack, ça incendie la chambre froide, c'est un peu ça, ouais. C'est... Ah oui, non, on est sur le tape qui, on est sur le pack qui tape dans le fond, quoi. Excusez-moi, hein, mais à tout moment, ils ont fait une collab avec le mode Wicked Sims. Hein. C'est quoi déjà? C'est Wicked... Oui, c'est ça, Wicked Wims. Bref, c'est le mode très Peggy 18. Genre, c'est le mode littéralement où ça... Peggy 18. Voilà. C'était pas tout à fait synchro, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Tant de grossièreté, carrément. Carrément. Hop. Ouais, calmons-nous les joues quand même, là c'est un petit peu trop cru. Donc voilà, quand je vous disais, on va passer sur le challenge de la copine Sissourine. On va passer sur le challenge de la copine Sissou, juste aller regarder ce qu'elle a écrit au niveau des règles exactement, parce que elle demande encore beaucoup de choses pour un tout petit terrain et une petite maison en rez-de-chaussée. Et vous savez que moi j'ai l'habitude de faire des grandes maisons, J'ai l'habitude de faire des pièces relativement logiques, mais quand on me demande de mettre énormément de choses, je vais les dispatcher dans différentes pièces. Ce qui du coup, ça va être compliqué. Ça va être compliqué à mon avis. Attendez, je vais aller retourner sur son Discord. Où est-ce qu'elle a mis ça? Let's play ici. Est-ce qu'elle l'a pingé là? Oui, visiter. Hop là. Parfait. Sœur Sinoc Sainte, patronne de la chasteté. Peggy 18. Ouh là là ! Ouh là là, c'est la décadence.
Je relève le défi. Non, mais moi aussi, je vais relever le défi de la copine Sissou. Je sens qu'on va bien rigoler. D'ailleurs, pour ceux qui n'étaient pas là, du coup, ce samedi, j'espère qu'en tout cas que vous avez passé un bon moment en ma présence. Et si vous n'étiez pas là, bah, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'avez-vous fait de votre week-end? Dites-moi tout. Parce que moi, globalement, aujourd'hui, Sienna. Moi, globalement, aujourd'hui, je me suis reposé. L'objectif était de ranger intégralement mon appartement et de tout nettoyer. Spoiler alerte, j'ai juste passé la serpillière dans ma cuisine. J'ai mis une machine à laver et j'ai mis le micro n'importe quoi. J'ai mis le lave-vaisselle. Clairement, je n'ai pas fait la moitié de ce que j'avais prévu de faire, mais j'avais pas envie. J'avais envie de me reposer. Je suis allé voter quand même. Parce que moi, dans ma circonscription, il y a pas de personnes qui a été élue dès le premier tour. Du coup, je devais aller voter. Et j'ai aussi fait le vote chez ma mère. Alors, ce qui est très rigolo, ma mère habite littéralement à 200 mètres de chez moi. Elle est dans un autre bureau de vote que chez moi. Alors que le bureau de vote où je vais, il est à côté de chez elle. Genre littéralement, il est derrière son bâtiment. J'ai pas compris. Par contre, faut que je voie pour l'envoi en conditionné chez Mister. De quoi? Les chips au machin là, au pastis? Ah non, moi je veux pas. Hein. Le sabato était très très cool. Je me suis vraiment beaucoup amusé, donc merci beaucoup encore. J'ai bossé hier aujourd'hui gâteau pour le goûter. C'est pas l'IA. Ok, bah trop bien. Bah après, moi, si je voulais aller à Emmaüs aujourd'hui, la tristesse quand j'arrive devant chez Emmaüs et que je vois que les grilles sont fermées, j'avais trop le seum. J'avais trop envie d'acheter une connerie à pas cher Emmaüs, et voilà, mon envie du coup est tombée à l'eau, je n'ai pas pu. D'ailleurs, vous pouvez le constater ici, pour ceux qui n'étaient pas là un petit peu pendant ce week-end, j'ai enfin mon code créateur Mister C, MYSTERC, qui fonctionne enfin sur le Yab. Donc si jamais vous voulez passer commande pour pouvoir tout simplement, en ce moment c'est les soldes jusqu'au 11 juillet, si jamais vous voulez prendre des packs sur le Yab ou sur Origin, n'hésitez pas, mon code fonctionne. Malheureusement, ce n'est pas un code qui vous permet d'avoir des réductions, mais c'est un code créateur, du coup c'est juste que moi je vais toucher un petit pourcentage de la commande, et en vrai, sinon je touche 5% de votre commande, et vous n'avez pas de frais supplémentaires, si je puis dire, juste moi je touche une petite commission sur votre achat. Donc si jamais vous voulez aider la chaîne et que vous voulez aider la chaîne et essayer de soutenir la chaîne, et sachez que vous pouvez le faire de manière gratuite entre guillemets, enfin gratuite oui et non, mais de manière où en gros si vous avez prévu d'acheter, et mettez le petit code, ça aide également la chaîne. Donc voilà, j'ai voté pour Mister C, ministre de l'habitation. Ça n'existe pas, les ministres de l'habitation? C'est le ministre de quoi? Ministre du logement? Non, je sais plus. Je serais très mauvais au ministre du logement, hein. Je vous le dis tout de suite, hein, parce que moi je bannirais directement toutes les maisons, je bannirais les maisons de plein pied, je bannirais les maisons modernes, et j'instaurerais des maisons de maître partout. Donc voilà, moi en tant que ministre du logement, je suis pas sûr que c'est une bonne idée, parce que je bannirais toutes les maisons modernes. Les maisons avec des toits plats, bulldozer. Tout de suite, on cherche pas à comprendre, les maisons aux toits plats c'est pas joli. Non, on serait sur une dictature de l'architecture avec moi qui serait pas bien. Ministre des quatre murs, c'est ça? Non, ça n'existe pas, ouais, mais aux Zest, ça change tout le temps. La médiation entre voisins. Oh, ah, je te jure, la médiation entre voisins, ministre du logement, voisins, vous font chier, vous avez le droit de leur couper l'électricité. Et coucou Serenity, comment tu vas? J'ai loupé la fin hier, les Sims ne voulaient plus se fermer, j'ai dû éteindre l'ordi et reprendre le contrôle de mon PC. Je sais que hier on m'avait dit que les Sims avaient pas mal bugué pour pas mal d'entre vous, et de toute manière même moi en stream j'ai eu pas mal d'emmerdes avec les Sims. J'ai eu quelques bugs et j'ai remarqué que le jeu était très long, notamment juste pour sauvegarder. Juste la sauvegarde était excessivement longue. Donc je sais pas trop ce qui s'est passé avec les serveurs de EA hier. Je suis une commande Tacos XL que j'attends. Oh, la chance. Moi ça va en mode construit et en vie, ça a été hier, voilà, tant mieux. J'aurais préféré pouvoir couper la langue plutôt que l'électricité à mes voisins. Ah, j'avoue que tout à l'heure mes voisins ont fait du bordel avec le bébé là. C'est même plus un bébé, parce que maintenant ça y est, il se met à parler le machin. Alors c'est pas qu'il parle, pardon, il crie. Il parle très fort, genre... En fait, là maintenant que je suis passé au stade où je sais que je vais pouvoir vendre mon appartement pour pouvoir m'acheter une maison, puisque la banque m'a dit « Ok, pas de soucis, t'as ça comme argent, tu peux avoir ci, tu peux avoir ça. » Maintenant, je vais mettre en vente l'appartement normalement fin septembre, une fois qu'on aura fait le vote avec l'Assemblée Générale pour que les travaux tombent à l'eau dans ma résidence, ça va tomber à l'eau de toute façon. À partir du moment où ça va arriver, je vais faire diagnostiquer mon appartement, où je vais peut-être me le faire avant. Je vais le faire estimer avant, je pense que je vais le faire estimer au mois d'août.
faire l'estimer au mois d'août. J'ai des travaux à faire au mois d'août. Faut que je finisse la salle de bain, faut que je refasse la salle de bain. Et une fois que j'ai fait ces travaux-là, bye bye l'appartement. Je serai vraiment sur une autre pente. Le seul truc, c'est que pendant les visites, s'il y a des visites, bon, on espère, plus rapidement possible, c'est que les voisins ils ferment leur gueule. Parce que si jamais il y a les voisins qui font du bordel comme pas possible, au moins il y a des visites dans l'appart, je ne vendrai jamais cet appartement. Le machin, bah oui, c'est un machin, vu le bordel qu'il fait, excusez-moi, c'est un machin, c'était pas un enfant. Si on fait du bruit. Moi, ils ont signalé mon chien, ils ont cru que je squattais chez ma mère. Ah merde! Carrément, non, mais on peut ravager. Tu as une belle collection de Funko Pop? Ouais! Ouais. J'ai quasiment toute la collection de Funko Pop Harry Potter. Il m'en manque quelques-unes pour l'instant. Il me reste 4, je crois, de la collection classique. Je n'ai pas celle de NFT, parce que je trouve ça intolérable d'acheter des cartes NFT pour avoir potentiellement une chance d'avoir une Funko Pop. Du coup, il en existe 6 comme ça des Harry Potter, je crois. Elles ne sont pas catégorisées Harry Potter, elles sont catégorisées Pop NFT. Mais je refuse d'acheter... En plus, c'est super cher. Enfin, genre, tu payes vraiment la Pop plein pot, mais en fait, tu payes la carte virtuelle. Et tu as une chance sur je sais pas combien qu'en fait, ils te l'envoient. Donc, mais aucun intérêt, genre moi je veux pas acheter une Funko Pop en virtuel, genre moi si je l'achète, je l'avais en vrai, donc bah tant pis, celles-ci je les aurais jamais, elles sont en vente sur eBay à plus de 200 balles l'unité je crois, donc bon bah... Jamais compris au NFT, enfin, aucun intérêt NFT, t'achètes quelque chose de virtuel qui existe même pas, vous me direz on fait la même chose avec les Sims, mais au moins on joue avec, au moins on a du temps de gameplay, mais voilà, faut les prendre en magasin, les NFT elles existent pas en magasin, elles sont introuvables. En fait, c'est des ventes exprès sur Internet, sur les sites NFT. Enfin, c'est tout ça, Micmac. J'ai mis du temps déjà à comprendre à quoi ça servait. Mais voilà. Si un jour, jamais, je les trouve sur Internet pour pas trop cher, bah, je verrai. Mais pour l'instant, bah, c'est râpé, quoi. C'est râpé. Du coup, on va passer du coup sur le jeu. Hop. On passe ici. Alors, attendez, parce que je vois que ma caméra, elle merdouille encore, là. Décidément. On va corriger ça tout de suite. Je vais remettre le petit. Voilà. Parfait. Du coup, attendez, il faut que je me remette correctement, à peu près centré. On va mettre la petite musique comme d'habitude, en espérant que cette fois-ci, le stream ne plante pas comme la dernière fois. Parce que hier, pendant ce stream, ce bâton, on a quand même planté. C'est bon, la musique est bien. C'est une alarme. L'enfant, ouais, je crois. Mais après, moi aussi, moi, j'ai une alarme. Attention, hein. Moi, en 2-2, j'alerte tout le quartier avec mon alarme. Hop là. Donc, le challenge de Sisourine. Je vais vous lire un petit peu les règles. Donc, tout le monde peut participer à ce challenge. Personne sur console, sur PC ou sur Mac. Vous pouvez utiliser n'importe quel pack ou que le jeu de base, si vous le possédez. Ne laissez aucune pièce vide. Donc ça, c'est vraiment important. Information générale, le dernier délai pour cette version, surtout c'est le 28 juillet à 23h59. La taille du terrain est 30 par 20. La construction sera à Evergreen Harbor. Si vous n'êtes pas obligé de construire sur le même terrain, l'important c'est sa superficie. Alors nous on va construire sur le terrain que Sisu a choisi. Partagez votre construction avec la galerie avec hashtag SisuRinPerfect et écrire dans la description. Pas de CC autorisé, forcément. Synopsis. Bienvenue dans ce challenge de construction où vous devez concevoir et bâtir une maison abandonnée à retaper. Elle ne sera pas très grande, elle sera rénovée par Maya lorsqu'elle l'habitera dedans. Attention, vous devez respecter un certain budget. Le budget est de 40 000 simflouz. Donc ça va être rigolo aussi. Merci beaucoup Légion pour les 150 bits. En fait, ça t'a manqué hier que le centre d'alerte soit cassé. Du coup, tu nous as sorti les 150 bits avec le canard. Ok, bah merci beaucoup. Je prendrai probablement un Pikachu Pop et Harry, mais c'est tout. Sinon, je ne m'arrêterai pas. Je comprends. Alors moi, j'ai Pikachu. J'ai la pop de Pikachu. Attendez, elle est où? Elle est... Merde, je l'ai foutu où la dernière fois? J'ai rangé l'appart. Je sais plus où je l'ai mise. Moi, j'ai la Funko Pop de Pikachu qui est dédicacée par le chanteur de Pokémon. Du générique de Pokémon de la première génération en France. Donc un jour je veux devenir le meilleur dresseur, et ben j'ai la pop Pikachu qui est dédicacée par ce chanteur là. Ouais, faut que ce soit fonctionnel, ouais.
Donc du coup, les codes de triche sont autorisés, le mode BBB et le mode tool sont autorisés, le débogage l'est aussi. On va utiliser énormément le débogage, la maison coûtera que 40 000 simflouz. Après, en soi, et toi que c'est une petite maison, c'est un petit terrain, ça devrait le faire. Ça devrait le faire, c'est une maison de plein pied. Donc en vrai, on ne devrait pas beaucoup dépenser en termes de construction. La décoration, ça va être énormément de débogage qui, normalement, ça devrait être bon. Donc une maison qui doit donner l'effet qu'elle n'a pas été entretenue depuis des années, avec des éléments cassés, des murs dégradés. Une ambiance vétuste, attention, je ne demande pas une maison de campagne, il faut que ce soit une maison de ville. Il ne faut pas non plus qu'elle soit moderne. La maison doit être chaleureuse, avec les toits obligatoirement faits. Au moins 4 murs détruits peuvent être remplacés par des demi-murs. Bonus, si vous avez le pack écologie, vous pouvez lui donner un style très écolo. Alors, il faut un du coup, c'est que au rez-de-chaussée, un rez-de-chaussée, pas de rooftop, pas de sous-sol et pas d'étage. L'étage est seulement autorisé si vous faites une toiture, si vous avez besoin d'un étage. Donc 40 000 simflouz, jardin et extérieur. Ajoutez une parcelle de jardin sur le côté de la maison. Donc c'est pas derrière, c'est soit à gauche, soit à droite. Voilà, donc ça c'est bon. Attendez, j'ai perdu ma ligne. Il doit sembler négligé avec de mauvaises herbes, des herbes hautes, des déchets et des plantes envahissantes. Ajoutez des éléments comme des clôtures cassées, des objets rouillés, etc. Métis du caractère. La décoration intérieure doit être dans son jus, c'est-à-dire des papiers peints sales, déchirés, des meubles usés ou juste posés, des meubles en tout genre, mais il faut qu'on comprenne la fonction de chaque pièce, exemple salle de bain, salle à manger, etc. Vous devez mettre les meubles correspondant aux pièces, lit, table, meubles TV, toilette, évitez les objets trop luxueux, pardon, et n'hésitez pas à mettre de la saleté et des déchets. Jouez avec les plateformes, les arches, pas de couleurs trop flashy. Donc voilà. Donc en vrai, elle nous aiguille quand même pas mal sur ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire. On va faire venir mon Sims. Je sais plus où il habite mon Sims. Là. On va faire venir mon Sims Elf. Qui est ici. Je l'ai fait déménager où ? Mon Sims Elf. Là-dedans, je l'ai fait déménager ici ? Pas n'importe quoi. Je sais pas où j'ai foutu mon Sims Elf. Ah ! Ah bah merdasse. Je ne sais pas où est mon Sims Elf. Le terrain, c'est celui-ci. C'est celui-ci qu'elle a demandé. Il est à Tomarang. Bah non, il n'est pas à Tomarang. La dernière fois qu'on a utilisé mon Simself, c'était où? Bon, pire, sinon, tant pis, on n'utilisera pas le Simself. Ou à Del Sol Valley. Ah, peut-être. Toi, je vais regarder dans la gestion des foyers. Bingo, il est là. Il est dans l'ancienne maison de Sissourine. Alors, expulser le foyer. Yes. Ah, attendez, je regarde juste. Ouais, c'est bien celui-là. Donc, Sissou, elle a demandé à ce que on commence le terrain ici. Alors, ici, on va eux les expulser aussi. Yes. Toi, Mr. C, yes, emménager, tu vas aller ici. Yes. Et tu fais non meublé. Passer le terrain au bulldozer. Parfait. Alors par contre, ça ne l'a pas passé au bulldozer, visiblement. Bon, du coup, c'est ça. Alors, c'est sur ce terrain-là. Alors, attendez, j'ai pas tout lu. Donc, l'intérieur description. Un hall d'entrée qui mène directement vers le salon. Alors, j'avoue que le hall d'entrée, ça me casse les pieds. J'avais pas spécialement envie de faire un hall d'entrée. Alors, attendez, on m'a dit, c'était contre... Voilà. Pourquoi ça veut pas? Attendez. Money. Voilà, money 40 000, c'est mieux. Voilà, et comme ça, on va pouvoir dépenser correctement. Pourquoi ton Simself est à poil? Il est pas à poil, il est en maillot de bain. Tout de suite. Tout de suite, mon Simself, il est à poil, mais pas du tout. Du coup voilà, un petit salon cosy, une petite salle à manger proche de la cuisine, une cuisine fermée, un accès jardin, une pièce moyenne pour un bureau bibliothèque, une chambre assez grande pour y mettre un lit double, un coin toilette, une salle de bain et une chambre supplémentaire. Sissou demande beaucoup de choses pour vraiment tout petit. Le prix du terrain inclut les 40k, Mister C. Ah ! Ah bah attendez, à ce moment-là... Attendez. Money
Alors attendez, 40 000 moins 2500, ça fait quoi? Ça fait 38... Mince. Ça fait 37 500? C'est ça. Voilà. Parfait. Je vais lancer le live sur TikTok, j'ai totalement oublié. Comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Voilà. C'est bon. Ok. Donc, on passe en mode construction. C'est tout bon. Alors, je vais regarder au niveau de la galerie, où est-ce que l'on est. Ok. La photo se fait ici. Très bien. Alors, je vais pas vous mentir, pour l'instant, je n'ai... Mais pourquoi elle l'a demandé sur ce terrain-là? Ça n'a pas de sens. Pourquoi elle ne l'a pas fait là-bas? Ça n'a pas de sens qu'il y ait un jardin ici. D'ailleurs, on pourra constater ce merveilleux bug de texture. On adore ce jeu. Alors. Donc ça, c'était les règles. Elle demande vraiment beaucoup, beaucoup de choses, en fait. Pour, en fait, je lui ai dit, hein, je dis, tu te rends compte de tout ce que tu demandes pour un aussi petit terrain? Pour une aussi petite maison à rez-de-chaussée? Elle demande trop de trucs, là. Je vais galérer. Hop là. Ici. Et coucou tout le monde. Coucou Lilou, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. En fait, j'ai des idées de maison. Le problème, c'est que mes idées de maison, elles incluent systématiquement ben, un étage. Du coup, j'ai trop le seum. Ah, quoique... Attendez, j'ai peut-être une idée. Alors. Ici. On va faire son entrée. Là. Ça va être chaud patate en vrai. Ici, ça va être le salon. Avec... faut que je fasse ça un chouïa plus grand, sinon ça va me perturber. Hop. Voilà. Voilà. Et coucou Mouneas, coucou à toi. Je suis nouvelle sur Twitch, je découvre un peu l'appli. Oh, bah trop bien. Bah écoute, ravi de te voir parmi nous. Hop là. Je sais pas d'ailleurs si j'ai bien prononcé ton pseudo, j'espère que oui. Et coucou Sandal, comment tu vas? Est-ce que tu vas mieux qu'hier? Est-ce que tu es reposé? Hop. Ici, on va mettre... On va faire la suite de la maison comme ça. Là, ici, j'aurais... Mais ici, techniquement, c'est le salon. Ici, j'aurais bien vu une petite salle à manger. Ah ouais, c'est une compliquée histoire. Parce qu'elle demande trop de trucs. Elle demande vraiment trop de trucs. Parce que là, elle dit très clairement dans ses règles une entrée qui mène directement vers le salon. Donc l'entrée, elle serait là. Ici, ce serait le salon. Ici, ce serait du coup bah, la salle à manger, forcément. Ici, ce serait la salle à manger. Là, ça serait la cuisine. Petite cuisine. Mais les chambres, elles sont trop petites. Vous voulez que je fasse comment? J'ai pas de salle de bain là, actuellement. ah ouais, c'est une bonne nouvelle. Mais attends, les résultats, c'est 20... ils sont déjà à 20h? Oh, c'est bon, on peut enfin re-respirer. Ah, ça fait du bien. Bon, je voulais pas parler politique ce soir, mais oui, c'est une bonne nouvelle, enfin. On va pouvoir profiter un petit peu. Hop. Et coucou petite lunaire, comment tu vas? Coucou pour gaming, comment vas-tu finalement ton Amazon... finalement ton sabaton, il a fini à combien de temps? Finalement le sabaton, on a dû faire à peu près 12 heures de stream je crois, par rapport aux 4 heures qui étaient de base, donc on a fait 8 heures en plus. Donc en vrai c'était très très cool, très très cool, désolé, avec les enfants, en vacances, j'ai pas pu... T'inquiète, y a pas de soucis. Pas de soucis, des bonnes nouvelles, petite maison, mur cassé. Ouais, je sais, ça je sais.
Mais en fait, ça va être un peu chaud patate là. Ah voilà, peut-être que ces chambres-là seront peut-être un peu mieux. Ici, il faut que je fasse une salle de bain aussi. Ah, ça va être chaud patate. C'est chaud patate, hein. Parce que là, ce sera la salle à manger. Donc là, salon, salle à manger, cuisine. Et ici, le coin nuit. Alors le coin nuit, est-ce que je m'amuserais à faire un espèce de pseudo? Mais comment vous voulez que je fasse ça? Mais ça va être chaud patate. Coucou Shioko, comment tu vas? Hop. Alors, là, on va faire la salle de bain ici. J'aime pas trop ce que je suis en train de faire. Et coucou Amandoche, comment tu vas? Je connais pas le challenge, tu peux expliquer? En quelques mots, en gros, faut construire une maison qui est en ruine pour le challenge de 6 souris. Voilà. On va faire des murs moyens. Ça va être chaud patate. Sims, l'un des deux jeux que j'adore, vu que mon rêve est de devenir architecte. Oh, trop bien! Ça va être de voir comment c'est le challenge. J'ai attaqué il y a quelques jours, j'ai galéré pour le plan. Bah, j'avoue, le plan, je vais aussi un peu galérer, je pense. Je pense que je vais galérer aussi. Ici, j'aurais peut-être fait un petit truc comme ça. Ou peut-être pas là. Là, si je fais un truc comme ça, ça va être bizarre. Accès. Ah, mais attendez, la cuisine, elle est trop petite. Vous voulez que je fasse comment, là? Sauf que je fasse ça. Là, ça ferait une chambre, un peu petite quand même, mais une chambre ici, une chambre là, le couloir. Après, ça va être une maison un peu biscornue, il y avait une vieille maison, donc une maison de ville, quoi. Je vais le supprimer la boîte. Bon, attends, Légion, c'est pas encore acté, hein. Tu sais, là, faut déjà attendre que tout redescende à voir ce qui va réellement être fait. Hein. Ouais, ça va passer, il faut juste attendre, c'est l'orage chelou, dire le coupable. L'orage, t'as eu un orage hier? Dans la ville d'écologie, là. Ouais, exactement, on est dans la ville d'écologie. Hop là. Hop là. Alors, du coup, cette maison, en fait, je suis en train de me baser sur une photo que j'ai trouvée. En vrai, je l'aime bien la photo. Alors, on va. Alors, c'est pas qu'on va trichouiller, mais un peu. On va trichouiller en fait avec les murs. On va trichouiller avec les murs. Effectivement, on n'a pas le droit de faire des tâches. Donc ça nous l'a dit. Mais il y a moyen de moyenner un petit peu. Hop, je vais faire ça. Ici, on va faire un porche. Là, on va mettre ça ici. Voilà. Ici, on va mettre... Oh là. Je pense que la maison, ce qui va rendre bien, c'est le travail de toiture. Parce que les maisons de rez-de-chaussée, vraiment, moi, j'ai trop du mal avec ces maisons-là. En général, je trouve ça... Déjà, dans la vraie vie, j'aime pas trop la tronche des maisons de rez-de-chaussée. Le problème, c'est que là, ça fait gros cube, ça fait vraiment pas beau. Attendez, réfléchissons. Comment est-ce qu'on peut améliorer ça? Déjà, je pense que la cuisine, on peut l'étirer un chouïa comme ça. Mais alors, vas-y pour faire le travail de toiture ici. Hop. Les joueurs attendent de voir. Déjà, au moins, on n'est pas gouverné par des fachos, et ça, au moins, c'est une bonne nouvelle. Hop là. Mais bref, on évite maintenant de parler politique et tout. On est content, on n'est pas gouverné par l'extrême droite. C'est déjà une très bonne nouvelle. Et maintenant, on repart sur du stream classique posé, où on passe que un bon moment sur les Sims. Hop là.
Alors, j'ai peut-être une idée pour sauver les meubles. Oh, mais si, j'ai une idée. J'ai une idée. Alors. Non, pas de foot, ni de foot, ni de politique. Voilà, ça a été juste la petite aparté de tout à l'heure. Mais ouais, non. Non, pas de politique sur la chaîne. S'il vous plaît. On va trifouiller comme ça avec la toiture. Ouais, non, le football, non merci. Hop là. Alors, ici et là, on se met correctement. Du coup, est-ce que là, ça... Ah, mais attendez, là, je suis pas bon. Là, j'aimerais faire ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire ça. Et bonsoir, Sissi, je déconnecte ici. Pas de soucis, Légion. Et bah, bonne soirée à toi. Et puis, à la prochaine, avec gros plaisir. Hop là. Hop, parfait. Oh, je me suis trompé. Ça comme ça. Déjà, j'ai du coup passé ce qu'elle dit, mais c'est dégueu. On peut discuter des goûts doutables de Brest avec leur bleu pancetta et pastis et de la pizza hawaïenne. Non, mais alors, la pizza hawaïenne, déjà, c'est un mystère sans nom. Mais alors, j'avoue que les chips, je sais pas si vous connaissez celles de Brest, les bleus de bleu pancetta, elles sont mais ignobles. Pourtant, les chips Brett, ça sont bonnes en général, mais là, elles ont vraiment vomitives. Pour ceux qui font le challenge, on peut péter des murs aussi bien dedans que ceux de l'extérieur. Je pense que oui. Le seul problème, c'est que Sissou, elle dit qu'elle va jouer à l'intérieur, il faut que ce soit fonctionnel. Donc, qui dit que ce soit fonctionnel dit que, du coup, il faut peut-être éviter de casser trop les murs sur l'extérieur. Attendez, je corrige le bug de caméra que je viens de voir. Hop. Alors en fait je fais ça mais je suis un peu teuteux parce que techniquement la toiture ici elle vient faire ça. Ah. Voilà et ici il me faut un toit comme ça. Il y a un truc aussi grand. Ok. Et en vrai, cette petite maison de plein pied, il y a peut-être moyen qu'elle soit jolie. Et coucou Serralina, comment tu vas? Là, on fait ça. Et après, au niveau de la toiture, on n'a plus qu'à mettre ça. Et vous savez quoi, je pensais que la toiture allait être beaucoup plus compliquée à faire. Et en vrai, je suis choqué moi-même de ce que j'ai fait. I am shocked. Hop là. Hop. Non, je suis plutôt content là, de ce que j'ai fait. Mince, il y a ça aussi. En fait, je doutais un peu parce que la construction, elle est vraiment bizarre. En fait, c'est une construction de plein pied. Et les constructions de plein pied, en règle générale, j'aime pas trop ça. Donc, pour l'instant, ça a l'air d'aller.
Est-ce que l'escalier... Oh, attendez, je viens de voir. Comment ça, il me reste plus que 27 000 simflouz. On va déjà gagner de la thunasse. En fait, en cassant tous les murs ici. Ah oui, bah non, bah, pas en cassant tous les murs ici. Attendez, en faisant ça, on économise de fou. Oui, alors là, forcément. Voilà. Et ben, c'est parfait. Donc ici on se met là. Là je sais pas trop si on met plutôt un toit comme ça. Bah si, on va mettre un toit comme ça. J'aime bien. Alors par rapport à la... En fait je me suis basé sur une photo de maison que, que j'ai trouvée sur internet. Alors grand mur peut-être pas. Non, ça ira bien comme ça. Après l'entrée, je l'ai fait de 3 de large, j'aurais pu la faire de 4. Mais gardons-la comme ça, je pense que c'est pas mal. Vous en pensez quoi pour l'instant de l'extérieur, les gens? La façade avant, en tout cas, vous en pensez quoi? Je suis parti quelques minutes, la maison vient d'avancer. Ouais, t'as vu? On avance bien, là, je suis content. Comment on fait pour passer sur, sur... Attends, bonjour, comment faire passer le curseur? Comment ça, je comprends pas sur TikTok. Coucou à ceux qui sont sur TikTok. C'est super bubou cette coque. Hâte de voir la suite. Bah ouais. Alors attention, on est sur un challenge construction. Du coup, là en fait, on va devoir construire une maison délabrée. C'est littéralement le principe même du challenge. Voilà. Ça, de toute façon, ce ne sera pas utilisé, puisque... D'ailleurs, je pense mettre une fondation jusqu'au plafond pour bien démontrer que c'est pas fonctionnel. Et coucou Rumi. Ah mince, dommage, elle avait du potentiel. Si vous voulez, je pourrais faire une version rénovée aussi. Il me dit de faire passer un curseur sur une toile pour connaître la qualité. Ah oui, bah en gros, quand tu... Toi, ta souris, bah en fait, tu mets ta souris sur la toile et tu vois normalement si elle est de bonne qualité, etc. C'est juste ça normalement. Et coucou Unicorn, comment tu vas? Voilà. Alors là, je sais pas trop. Parce que je sais pas trop ce qu'entend Sissou quand t'as dit maison de ville. Parce que une maison de ville, ça veut tout et rien dire. Soit la maison, je la fais full brique. Et je pense qu'on va partir là-dessus. Mais je m'étais dit faire de la brique ici. Et du bardage, entre guillemets, là. Je sais pas encore. J'avoue, je suis dubitatif. Ah, j'aime pas du tout. Il va falloir qu'on trouve une solution avec avec ça. Pour l'instant, hop, toi tu viens là. Ok. Moi j'ai fini par les toits. Alors que moi, au contraire, moi je fais d'abord la maison. Avec les toits, et après je fais le reste. Donc là, on a dit entrée. Ici, on a... Elle n'a pas demandé des toilettes séparées, j'espère. Merde, elle a demandé un coin toilette. Oh, la relou.
Ok, si j'ai une idée. Là. Voilà. Coin toilette ici. Hier, ça a été... Bah ouais, écoute, ça s'est très bien passé. Le stream, ce bâton, s'est bien passé. C'était très agréable comme moment. On s'est vraiment bien amusé. Donc oui, ça c'était cool. Très cool. Oh, Noxie m'a fait peur. Noxie qui est passé sur mes jambes. Hop, attendez, j'en pose un petit message. Attendez, je réponds juste à un message. Voilà. Parfait. Alors, dans les photos qu'elle a montrées, elle a montré surtout des maisons avec du bardage en bois. On peut aussi partir sur du bardage en bois. On a beaucoup de styles de bardage abîmés qui pourraient passer. Déjà, je pense que partir sur un truc un peu en pierre comme ça, ça pourrait être cool. À la base, moi, j'étais parti pour faire une maison vraiment en ruine. Sauf qu'en fait, Sissou, elle dit très bien, très clairement, que ça doit être fonctionnel parce qu'elle veut jouer à l'intérieur. Ça va être une maison, en fait, qui n'est pas habitée depuis longtemps. Moi, j'ai vu que c'était vraiment une maison en ruine. Donc, moi, j'étais parti à faire des toits détruits, comme s'il y avait un incendie avec des trous dans le plafond et tout. Bon, vraisemblablement, c'est pas ça. Au niveau des colonnes, on va utiliser le débogage. On va utiliser celle de vampire. À mon avis, on va essayer de trouver une solution. Parce que celles de vampires, on les a dans le debug, c'est-à-dire qu'on peut les coucher au sol comme si elles étaient tombées, qu'elles s'étaient effondrées. Bon, en tout cas, j'aime bien. Et ici, on pourra faire le coin jardin. Ça va être cool. Alors, au niveau des fenêtres. Au niveau des fenêtres, qu'est-ce qu'on pourrait mettre Alors, moi déjà, j'aurais... Peut-être mettre les fenêtres du jeu de base. Les fenêtres du jeu de base ont la particularité d'être tellement mal modélisées qu'elles ressemblent à des fenêtres abîmées. Où est-ce qu'elles sont? Alors, on utilisera les... Oh, quoique. Je peux en mettre une double. Je mets celle-ci là et l'autre dans l'autre sens à côté. Ça peut le faire. De toute façon, c'est un grenier, c'est pas fonctionnel. Idée de génie. Bah, pour une fois que le jeu de base, il va nous servir à quelque chose. Après, c'est les couleurs qui vont être un peu chaud. On verra. Par contre, le problème d'utiliser du jeu de base, c'est-à-dire que les autres fenêtres aussi, quoi. En fait, les autres fenêtres, elles vont être trop propres. Après, j'ai elle qui... Ah, celles-ci, elles sont jolies aussi. Alors j'avoue que j'adore ces fenêtres là. Les fenêtres de comment est-ce qu'elle s'appelle, de ce pack là, je les kiffe. Les fenêtres de saison, je les trouve trop belles. Oui, donc si tu es là, je t'entends, je te vois. Bah oui, les fenêtres de saison, elles sont jolies. Parce qu'elle veut du cachet et tout, donc tu utilises le jeu de base. Alors là actuellement, pas spécialement. Là j'utilise tous les packs que j'ai à ma disposition. Mais oui, il m'arrive d'utiliser que le jeu de base. Attendez, parce qu'elle dit... Moi de ce que je vois sur les photos, c'est vraiment des maisons, des vieilles maisons. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va changer la gueule de la toiture. On va partir sur la toiture soit un peu genre... Alors, celle-ci, le problème, c'est que quand tu mets toute ta toiture, ça fait fake. Oui, ça fait vraiment pas beau. Alors que si on met genre... Pas toi, c'est quoi? C'est celle en tôle? Où est-ce que c'est celle-là? Je sais plus. Le problème de celle-là, c'est qu'elle met des corniches partout. Ce qui en soi est vraiment pas top. Parce que personnellement, j'aimerais bien avoir des packs, mais je suis sur PS4, donc je peux pas. Alors techniquement, tu peux avoir des packs d'extension sur PS4, ils sont payants, mais c'est possible. Et sur ma galerie, sache que j'ai beaucoup de constructions avec uniquement le jeu de base.
Alors, c'est là où on va déjà commencer à galérer les gens. Ah ah. Attendez là, avec ce petit verre aussi, ça pourrait peut-être passer. Peut-être pas. Non. Avec vie orange, peut-être aussi. Perso, j'aime pas trop, mais ça m'arrive de les utiliser, ok. Bah, la saison, moi, je les aime bien, ouais, mais on va voir. Parce que là, ça va être un peu chaud patate. Faut pas oublier que c'est une maison qui va être de... Il va falloir qu'elle rénove, en fait. Et coucou Okami Gaming, comment tu vas? Oh, je viens d'avoir une idée, mais je sais pas si c'est fonctionnel. Je veux mettre une arche, mais avec la porte au sol. Enfin, celle, c'est la porte d'entrée. Mais ça, c'est trop beau, ça. Ce que je veux faire, c'est vraiment faire comme s'il y avait une arche. Juste qu'elle est tombée, quoi. Et merci, Monias. Merci à toi pour le follow. Mais je crois que ça marchera pas. Je crois que ça sera pas fonctionnel. Le Sims, il va galérer. On va essayer, parce qu'il faut que ce soit fonctionnel. Hein. Faudrait que le Sims puisse rentrer dans la maison et tout. C'est celle-là que je cherche. Ouais. Si je mets une porte ici. Je vais bien, mais je reviens. Pas de soucis, à tout à l'heure. De ne pas avoir fait... mais t'inquiète, mais t'excuses pas, pas de soucis. On pourrait faire style que la porte, elle a été brûlée. Ça pourrait être marrant, je pense. Alors, mince. Alors, techniquement... Elles sont dans l'autre sens. Merde, je me suis trompé de touche, non? Hop. Là, normalement, si je fais ça, rotation, changer l'axe. Si je la mets à 90... Alors, je crois qu'il faut que je fasse rotation moins 90. Yes. Ah, merde. Mais je pense que ça va la... Ce sera pas fonctionnel. Rotation, changer l'axe. Là, si on met 35... C'est vraiment histoire de dire que la porte, elle est tombée, quoi. J'ai l'impression que les fenêtres se chevauchent. Oui, non mais t'inquiète, elles se chevauchent. Mais je crois que ce que je veux faire, ça marche pas. Oh, ça marche! Oh, je suis trop refait! On a combien de Simflouz? 10 000, ça va. Il nous reste encore 30 et quelques mille. Enfin, il nous reste 30 000. Voilà. Bah, c'est parfait. 29 894 Simflouz. Ça, au moins, c'est fonctionnel. C'est parfait. Ça, pour l'instant, je vais les enlever. Je sais pas encore trop quel style on va partir. Ça, pour l'instant, je vais les enlever aussi. Parce que finalement, ça me perturbe. On va d'abord faire l'extérieur. Donc, soit on part sur de la brique un peu comme ça. Mais je sais pas. C'est pas la... C'est pas la vibes de la maison. Sinon, on va partir sur du lambris. Bah, en fait, j'estime que partir là-dessus, c'est trop simple. On n'a pas un autre truc un peu... Ah, on a ceux de vie orange qui pourraient passer aussi. Ah, peut-être celle de vie orange qui est dans l'autre sens. Yes. Pour mettre du relief, on s'occupera des fenêtres et de mettre des colonnes.
Déjà, j'aime bien l'idée de la porte cassée. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime bien. Ça me fait rire. $25 simflouz, allez. Eh ben, c'est avec ça, on finit pas pauvre. On va mettre un conduit de cheminée aussi. Et coucou, j'ai l'impression que les fenêtres de saison se... ça, bon, j'ai déjà lu, pardon. J'ai pas vu, tu as fait comment pour la porte? La porte, j'ai utilisé le mode tool pour pouvoir la casser, entre guillemets, comme ça. Cela, elle demande... Attendez, ça, je vais regarder. Parce qu'en fait, c'est ça, il y a un truc que je comprends pas. Voilà. La maison doit donner un effet qu'elle n'a pas été entretenue depuis des années, avec des éléments cassés, des murs dégradés, une ambiance vétuste. Attention, je ne demande pas une maison de campagne. Après, qu'est-ce qu'elle entend par maison de campagne, Sissou? C'est ça aussi. Cela, moi, je pars sur un style de suburban house, en fait, les maisons un peu américaines classiques, quoi. Non, on va pas mettre ça, Mister C. Si vous allez bien, bah écoute, ça va bien, j'espère que toi aussi. Hop là. Ok. C'est un challenge de Sissou. Ouais, c'est un challenge construit, le challenge construction de Sissourine. Et là, j'avoue, on commence déjà à galérer. Mais je le savais que j'allais galérer de toute façon. Pour ça, je vous disais qu'il fallait que je prenne du temps pour la construire parce que je me connais. Même si, en fait, à la base, on va construire la maison sur l'extérieur, on va la construire joliment. Et après, on va venir la salir et la casser. Oui, Mimine, tu veux quelle couleur? Dis-moi tout. Hop. Rose. Alors j'ai mes éclairages qui bug un peu, mais rose ça devrait le faire, je pense. Voilà. Alors me demande pas pourquoi derrière c'est bleu. T'en as une qui sera bleue, mais les autres seront roses. Parce qu'en fait ma LED principale là qui est ici, faut que je la change. Elle est en train de mourir et elle affiche plus plein de couleurs. Il y a plus certaines couleurs qu'elle affiche plus. En fait, c'est ces fenêtres-là qui m'intéressent. Alors, on va venir plutôt les monter manuellement. De deux, voilà. Voilà. Parfait. Est-ce qu'on a une couleur grise plutôt? Voilà, une petite couleur comme ça qui pourrait trancher. Ça, c'est des fenêtres typiquement américaines hein, pour le coup. Ah, le jeu. Voilà. Et coucou Amandine. Bah écoute, ça va bien. J'espère que toi aussi. Alors là, c'est le salon. On va faire une cheminée. Hop, viens là toi. Ça rentre bien. On va venir faire ça. Yes, et ici on va mettre un petit mur. Voilà.
j'aime bien. J'aime bien. Pour l'instant, c'est très terne. Ça, c'est un peu compliqué pour moi, là. Après, on va mettre des moulures. Alors, j'étais pas parti pour mettre des moulures aussi grandes, mais en vrai... Oh, en vrai, ça passe bien. Attendez. Peut-être que celle-ci passerait peut-être mieux. C'est peut-être un chouïa plus petit. Ah bah oui, mais non. Oh my god, le jeu. Voilà. J'aime bien. Après, peut-être qu'en grand mur, ça rendrait mieux. En grand mur, ça rendrait bien. Mais non. J'ai l'impression qu'il y a... Ça s'est foutu dedans, non? Ça s'est foutu là, j'en veux pas ici. Attendez. Bon, c'est pas grave. Ok. C'est pas trop trop mal. Ici, à l'intérieur. Alors... Voilà, on va faire ça. Au niveau de la porte, je pense qu'on va mettre les portes que j'aime beaucoup. Elles sont où? Hop. Je mettrai pas ces portes-là. Elle a dit qu'elle voulait une maison, si je dis pas de bêtises, avec quand même qui aurait pu, enfin qui a du charme, qui est un peu cosy. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la faire sale, on va la faire détruite. Mais voilà, on va quand même faire quelque chose de joli. Mince. Une maison qui a du potentiel. Moi qui suis actuellement potentiellement en train de regarder, enfin, pas potentiellement, c'est moi qui suis actuellement en train de chercher une maison pour pouvoir l'acheter d'ici 6 mois, grand max, un an. Moi, je cherche une maison avec des travaux, donc c'est bien, ça me fait tilter. La maison est déjà trop belle, mais je chiale. À l'idée de te voir la délabrer. Bah déjà, on a commencé à la délabrer déjà. Hein. Avec la porte. Déjà, j'aime trop l'idée de la porte qui est cassée. Déjà, j'aime trop cette idée-là. Donc ici, on a dit que ça va être la cuisine. Ici, ça va être la chambre. Il y a deux chambres normales. Attendez, je crois qu'il manque une pièce. Si soit elle n'a pas dit qu'elle voulait une bibliothèque ou je sais pas quoi. Oh, je vais la taper. Elle veut un petit salon cosy. Bon, ça sera un grand salon cosy. Mais on va essayer de le faire cosy. Une salle à manger proche de la cuisine. Salle à manger, cuisine. Elle veut un accès jardin. Ah, bah si, l'accès jardin, on va le... Ah merde, oh, je vais faire comment? On va le faire là. On va faire une porte qui descend ici. Elle avait un bureau, la gourgandine. Et merde. Ouais, mais là, j'ai pas de place. Elle n'est pas cool, Sissourine. Elle n'est pas cool. Ah bah là, voilà. Au moment où je dis que Sissou, elle est pas cool, là, voilà. Coucou tout le monde, comment ça va? Ah, je suis pas cool. Bah, parce qu'en fait, on a oublié de faire le bureau. On a oublié de mettre le bureau. Coucou tout le monde, comment ça va les raiders? Comment allez-vous? Mais ouais, on a oublié de mettre le bureau. Comment ça va tout le monde? Coucou le raid, mais coucou. Mais non, bah si, parce qu'elle fait un bureau. C'est pour ça que je dis qu'elle est pas cool. J'ai pas suivi, tu fais une maison pour Sissou, ouais, pour son challenge. Bah écoute, c'est ta faute. Ah bah voilà. Bah écoutez, j'espère que vous allez bien. Attendez, je vais faire le petit shout-out pour la copine Sissourine. Petite shoot-out. Hop, Sissourine. Voilà. N'hésitez pas à les follow. Sissou, tu faisais quoi du coup, Sissou? Qu'est-ce que tu faisais? Dis-moi tout. Parce que du coup, ça manquait qu'il y ait cette histoire. Sinon, il faut que je déplace la chambre qui est là. Oui, mais si je déplace la chambre qui est là,
on va avoir un problème de d'emplacement là. Ah. Et kaku 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 tout le monde. C'est à travers ça. Ok, bah du coup c'est pour ce challenge là en fait. C'est littéralement ça. Est-ce que j'ai le droit de faire un bureau dans une sorte de dépendance au fond du jardin? Ah, j'avoue, ça je sais pas. Merci beaucoup Marie, merci Oneria pour le follow également. Alors pour ceux qui me connaissent pas, moi je suis Mister C et je fais de la construction sur les Sims 4. Perfect Life, ok. Moi je fais de la construction sur les Sims 4 exclusivement, je fais pas de gameplay comme Sissou par exemple. Moi vraiment mon dada c'est la construction. Je prends mon pied littéralement qu'avec de la construction. Mais comment on va faire? Attendez, parce que... Attendez, il y a peut-être moyen de moyenner. Hop, et merci beaucoup pour le follow Laura, merci également Océane pour le follow, merci beaucoup. Ouais je sais, les frises sont cassées parce que j'ai bougé les murs. Je sais. Je suis en train de réfléchir comment est-ce qu'on va faire. Tu sais si on peut les CC, non les CC ne sont pas autorisés par le challenge. Merci Mini pour le follow, merci beaucoup. Et merci Loïc pour ton 3e mois d'abonnement, merci beaucoup. Merci, ça fait super plaisir, merci à toi. Comment vas-tu? Mais ouais, du coup, je suis en train de construire pour le challenge de Sissou. Mais pour ceux qui viennent du raid de Sissou, est-ce que vous voulez que je vous montre un petit peu les autres constructions que je suis susceptible de faire? Par exemple, j'ai fait pas mal de constructions, ce qu'on appelle ce que moi j'appelle les constructions célèbres. Je me suis amusé à créer des constructions qui sont dans des films et dans des séries notamment. Je sais pas, est-ce que vous pouvez me donner des noms de séries que vous avez regardé les gens dans le chat et je pourrais vous dire si je les ai fait et vous les montrer. Je te laisse, le leurre des bisous. Pas de soucis, Sissou, merci encore à toi pour ton raid. Friends, j'ai fait. J'ai fait les appartements de Friends. Charmed, j'ai fait aussi. Alors, Dynasty, j'ai pas fait. Les Fast Squad, j'ai pas fait. Charmed, j'ai fait. Breaking Bad, j'ai pas fait. Ah, Star Wars, j'ai pas fait non plus. Mais Star Wars, c'est compliqué. Et merci Loïc pour le sub gift à 6 souris. Merci beaucoup. Merci. Hop. Alors, l'appartement de Friends, il faudrait que je le refasse parce que ça fait un bout de temps que je l'ai fait. Je l'ai fait il y a plus de 2 ans. Attendez, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Voilà. Hop. Et coucou Ange, coucou à toi, merci Lia également pour le follow, merci beaucoup. Gérard, j'arrive pas à trouver mon mode cassé qui fait bug mon jeu. Ah mince, j'espère que tu as trouvé. Desperate, j'ai fait. Idari, toutes mes constructions sont dans ma galerie. Regardez bien. Alors ici, on est sur du coup les appartements de Friends. Du coup, je vais vous montrer déjà dans un premier temps les appartements de Joey et de Chandler, qui est pour moi celui qui est un peu moins sympa. Donc voilà. On a ici par exemple la cuisine avec le fameux baby foot de Chandler et Joey. Donc voilà. On a fait ça. Ici, on avait fait à l'époque, il faudrait que je refasse parce que maintenant on a des meubles qui y ressemblent plus. Mais ici, j'ai fait le salon de Chandler et de Joey. Hop. Merci beaucoup, Morganax, pour le flow. Ici, on a fait la chambre de Joey. Et alors, pour le coup, à l'époque, on n'avait pas la peluche encore pingouin pour faire Uggsy. Du coup, j'avais utilisé la télé pingouin. C'est pour ça qu'il faudrait que je le refasse pour le mettre à jour un petit peu. Et ici, on avait fait la chambre de Chandler. Mais pareil, la chambre de Chandler, en vrai, leurs chambres, elles sont vraiment pas iconiques. En revanche, ce qui est iconique, c'est l'appartement de Monica et de Rachel, que je vais vous montrer tout de suite. C'est pour ça que je vais vous montrer d'abord l'appartement un peu moins cool, pour vous montrer l'appartement des filles. Et alors, l'appartement des filles, je me suis donné, parce qu'on est clairement sur un copier-coller. J'ai galéré. Si je vous montre cette vue-là, vous reconnaissez, je pense, parfaitement l'appartement de The Friends. Mon nom dans la galerie, c'est Mister C1. C'est, hop, c'est ça. Voilà. Donc ouais, non, en vrai, on est sur un petit banger quand même, hein. J'ai tout refait. J'ai même fait le balcon avec le chien en marbre dégueulasse de Joey. Voilà. J'ai fait bien sûr la salle de bain. Alors la salle de bain, elle bug dans cette vue-là. Mais hop là. Voilà. Je fais la toute salle de bain qu'on peut voir dans la série. J'ai fait le placard à bordel de Monica.
Alors par contre au niveau des chambres, c'est ça qui a été le plus compliqué, parce qu'en réalité les chambres par contre elles sont moins ressemblantes pour la simple et unique raison que d'une saison à une autre les chambres n'ont jamais la même gueule. On a la chambre de Monica. En fait une fois sur deux, si vous fiez bien quand la série est filmée, quand les portes des chambres des filles sont toujours ouvertes. Et à chaque fois, quand les portes sont ouvertes, vous voyez qu'il y a un mur devant. C'est pas pour vous, parce qu'en fait, derrière, c'est un autre studio. En fait, c'est les studios des chambres sont faits plus loin, et donc du coup, ils ont mis un faux mur avec un petit décaissé. Le problème, c'est quand on filme, quand on voit les épisodes dans les chambres des filles, et ben ce dit mur, il n'existe pas. Du coup, j'ai dû un peu inventer pour essayer de faire quelque chose d'à peu près ressemblant. Et parce que par exemple, la chambre de Rachel, normalement, il est supposé y avoir ce mur-là quand la porte est ouverte, quand on a la vue du salon. Du coup, bah, j'ai essayé de faire un mélange des deux avec la chambre de Rachel ici. Mais voilà. Donc ça, par exemple, c'était les appartements de Friends. Je les ai mis sur le penthouse qu'il y a ici. Et j'ai fait en sorte que le bâtiment bah, soit à peu près inclus correctement au niveau de l'extérieur. Vous m'avez demandé vous avez dit la maison de Charmed, de Desperate. Je l'ai fait. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, Charmed, on les a fait à Newcrest. À part de Ross, Phoebe et de Prévu, j'avoue, j'ai pas fait parce qu'on a un problème. Le problème de l'appartement de Ross, c'est qu'on connaît que le salon et c'est tout. On n'a jamais vu sa cuisine, on n'a jamais vu sa salle de bain, on n'a pas vu ses chambres. Et l'appartement de Phoebe, c'est pareil. On a vu que le... On voit que l'entrée. Enfin, on voit que le... La... Comment dire ? On voit que le salon et on voit rien d'autre. Jusqu'à quand va durer le live ? Jusqu'à 22h, normalement. Je pense que Grey House de la série Un soupçon de magie devrait être sympa à faire. J'y ai pensé, parce que je connais. Tu as fait la maison de Buffy ? Ouais, elle est là. D'ailleurs, il y a des gens qui ont aménagé dedans, je sais pas pourquoi. Merci Sindhu pour le follow, merci beaucoup. Et la maison de Charmed, oui je l'ai faite. Je pense en vrai que c'est ma construction préférée de ma rénovation, de ma série sur les constructions célèbres. Je pense que c'est la meilleure que j'ai faite. On est sur un banger. Hein. Sinon on a vu, il parle avec Rachel dedans. Ah oui c'est vrai. T'as raison. Hop. Alors j'ai fait deux manoirs de Charmed. À droite il y a mon ancien et là il y a le nouveau qui a été mis à jour cette année. Est-ce qu'il y a des fans de la série Charmed ici ? Bah regardez. Bah quoi l'académie ? Trop dur à faire. Trop dur à faire. Je pense que vous reconnaissez sans aucun doute la maison. Mais pas la nouvelle. Non, on parle pas de Charmed, de la nouvelle série pourrie, hein, ça je suis d'accord. Très ressemblant. J'ai fait l'intérieur aussi. Hein. L'intérieur a été fait également. Eh. Après, de vrai, c'est dommage, il manque les vitres teintées. Ouais, ça malheureusement, je peux pas le faire. Déjà, et dites-vous, il n'y a aucun CC. Hein. C'est que avec tous les packs d'extension, certes, mais c'est comme. Voilà, c'est du Maxis. C'est du IE, quoi. Il n'y a pas de mode, il n'y a rien. C'était compliqué. Je vais pas vous mentir, c'était très compliqué. Ça a été long à faire aussi. Hein. Et alors, je crois qu'on a fait ça avant la mise à jour des plafonds. Où on a fait. Et j'ai oublié de mettre les plafonds. Je crois que j'ai pas mis les plafonds, il faudra que je le fasse. Le manoir est très joli, mais il est dur à construire car le grenier est dur. Et l'escalier... Ah, mais l'escalier... J'ai tout fait. Je suis passé du sous-sol au grenier. J'ai tout fait. Oui, normalement, oui. J'ai essayé de coller au maximum à la série. Vraiment, ouais, là au niveau du rez-de-chaussée. Au sous-sol, j'ai fait le sous-sol. Vraiment comme dans la série avec le Nexus qui est ici. Hop, à l'étage,
j'ai fait les différentes chambres. Donc ici on a la chambre de Phoebe. C'est la chambre de Phoebe qui est ici. Voilà. Ici on a la chambre de Paige. Qui d'ailleurs dans la série, ça, faut savoir que la chambre de Phoebe est également celle de Paige. En fait ils ont utilisé le même plateau de tournage pour la chambre. Et un coup c'est la chambre de Phoebe et un coup c'est la chambre de Paige. Parce que c'est exactement le même emplacement de fenêtre, le même papier peint, la même arche. Et vraiment c'est juste les meubles qui changent de place. Donc c'était un peu compliqué de recréer la chambre du coup de Paige. Puisque bah, c'est également celle de Phoebe. Ici on a la chambre de Piper. J'ai même fait la nursery de Wyatt que l'on voit dans un seul épisode. Puisqu'après finalement il n'a pas de nursery. Voilà. Et j'ai également fait ici une quatrième chambre qu'on ne voit jamais. Puisqu'en fait il y avait de la place. Du coup j'ai fait la chambre des enfants. Et bien entendu, là on va se mettre en vue premier plan pour l'occasion. J'ai fait bien entendu le grenier. Ah si, j'avais fait les plafonds. Forcément le grenier est plus petit que dans la réalité dans la série, mais comme je l'ai dit, le manoir existe réellement, hein. C'est un vrai manoir qui existe, par contre tout l'intérieur est fait dans des studios et le vrai manoir est beaucoup plus petit que ce qu'il devrait être dans la série. La série en fait c'est très très très, très grand au niveau de l'extérieur, enfin l'intérieur pardon, alors qu'en fait c'est des plateaux de tournage. Mais voilà. Hop, je comprends, on passe à autre chose. Va tuer des gens sur Fortnite. Oui voilà, va tuer des gens sur Fortnite. Mais voilà, quelle série? Là on est sur la série Charmed. C'est la construction que j'ai fait pour la maison, le manoir de Charmed. Je l'avais fait au tout début de ma chaîne et c'est ça qui m'avait fait un petit peu connaître. Et ça, regardez, ça c'est l'ancien manoir que j'avais fait il y a plus de 3 ans. En vrai il est pas moche. Mais on a un upgrade préféré. C'est qui votre sœur préférée? Moi c'est Piper. Piper, Paige, Phoebe et Prue, elle est en poubelle. On est quand même sur une sacrée évolution hein, entre la droite et la gauche. Là, il y a une grosse évolution. Pour ceux qui aiment Desperate Housewife, parce que je l'ai entendu tout à l'heure, regardez, j'ai fait la maison de Suzanne. Et vous remarquerez la tache de sang de la dernière saison. Voilà, oui, parce que je suis une personne horrible. Oui, j'ai fait la tache de sang de la dernière saison. Donc voilà, ici on a la maison par exemple des Solis, qui est juste là, voilà la petite maison des Solis. Une fois j'ai voulu refaire la maison de Lock and Key, laisse tomber. Non mais Lock and Key elle est impossible à faire. Enfin, tu peux faire l'extérieur mais l'intérieur n'a rien à voir avec l'extérieur. C'est le problème en fait avec les films et les séries, c'est que régulièrement les extérieurs de maisons sont des vraies maisons, mais l'intérieur c'est fait en studio, pour que ce soit plus simple s'ils doivent détruire des choses etc. Et ça donne plus d'espace aussi. Le problème c'est que des fois ça n'a strictement rien à voir, par exemple la série Sex Education, on a essayé de refaire la maison, on a refait l'extérieur à l'identique de la série, sauf qu'on s'est rendu compte que l'intérieur il ne peut pas, littéralement il ne coïncide pas avec la structure de la maison. De quelque chose qui fâche là. Oui, je suis désolé. On m'avait parlé de Buffy contre les vampires. Il y a la maison de Buffy là. La maison de Buffy, j'avais fait quelque chose de très simple sur l'extérieur parce que bah, c'était très simple aussi. Et la maison de Buffy est là. Bah, j'ai fait pas mal de constructions et après, je fais également la rénovation des mondes avec uniquement le jeu de base plus le pack d'extension de la ville. On a quasiment fini d'ailleurs cette rénovation des mondes. Et d'ailleurs, Sissou, je sais que pour je sais plus quel challenge elle fait en. À travers les âges, je crois. Ou certaines de mes constructions ont été utilisées pour son challenge. Il me semble que c'était. Je crois que c'était ce challenge-là. Sur internet, il y a une créatrice qui a fait des CC, porte-fenêtres et meubles qui sont les copies conformes du décor de Charmed. Elle les a mis sur Patreon. Alors en fait, moi, j'utilise pas de CC. Moi, mon maître mot sur les Sims, c'est de ne pas utiliser de CC. Je n'utilise que le jeu dans ce qu'il propose. Voilà. Tu as tellement de patience pour la réno des mondes, c'est tellement long. C'est très long, ça fait 3 ans que je suis dessus. Et on est sur un crash du jeu. On est sur un crash du jeu. Je sais pas si tu connais la série Animal Kingdom, mais la maison est sympa, très California style. Pardon. Du coup, ça change un peu de ce que tu fais en général. Mais si jamais, je te donne l'idée. Bah, pourquoi pas? Je connais pas. La maison de Sabrina, j'ai voulu la faire, la maison de Sabrina, mais pareil, l'extérieur est faisable, l'intérieur ne coïncide pas du tout. Mais oui, comme je disais, Marine, ouais, je viens de lire, ouais. Mais du coup, je prends pas. Du coup, parce que comme c'est. Ouais, 3 ans.
à mon rythme, je vais rentrer en EHPAD. Alors, Loïc, je fais ça. Alors, 3 ans, pour la simple et unique raison que je fais ça qu'en stream. Je fais ça que en stream. Ah, attendez, je vais devoir quitter le jeu. Les Sims, ils ont planté. Voilà, on relance le jeu. Mais je fais ça que en stream. Je ferais ça hors stream, je l'aurais déjà fini plus longtemps. Sachant que bah, des fois, j'ai fait des pauses dans la rénovation des mondes, j'ai fait des challenges, j'ai joué à d'autres jeux. Donc c'est pour ça aussi. Ça serait chouette que tu fasses toutes les constructions sans cesser, quand ça nous permet de télécharger tes constructions. Exactement, et surtout que je l'ai fait que... Alors, par exemple, pour ma rénovation des mondes, je le fais que avec le jeu de base et le pack d'extension de la ville que je rénove. Donc c'est-à-dire que quand je rénove... Bah, là, par exemple, j'ai rénové avec le pack Tomarang, donc avec la ville du pack Alloé. Je n'ai utilisé que le jeu de base, plus le pack Alloé, et rien d'autre. La maison des sorcières de American Horror Story, elle est dans ma liste. Ça, très chouette, ça se mangeait lu. Mais ouais, mais du coup, c'est long. Du coup, c'est très très long de faire ça. Parce que forcément, je me mets des sacrées barrières, quoi. Je vous montre un petit peu, mais après, on va retourner sur le challenge de 6 sous. Si ça veut bien. Oh, les Sims, ils bug depuis 2-3 jours, c'est insupportable. C'est bien, ça le pire, je stream pas, mais ça fait 3 mois que j'ai un quartier sur Del Sol Valley. Del Sol Valley, je me suis vraiment éclaté sur Del Sol Valley. D'ailleurs, c'est le même Sims entre les deux, ça me fait rire. Hop là, viens là, toi. Je vais vous montrer ce que j'ai pu faire pardon, pour ma rénovation des mondes. Une de mes rénovations des mondes préférées que j'ai faites, c'est celle de Strangerville. Là, ce que je vais vous montrer, c'est uniquement, je dis bien uniquement, de base. Plus le pack d'extension de la ville. Donc c'est-à-dire que là, c'est le pack de jeu, du coup, Strangerville, plus le jeu de base. Et vous allez voir ce que j'ai réussi à faire. On peut faire des sacrées dingueries avec uniquement 2 choses. Ah, attendez, pourquoi est-ce qu'on m'a mentionné sur Twitter ? Oh, pardon. On m'a mentionné sur un fond d'écran qui est trop beau. Hop. Voilà, par exemple, une construction que j'ai faite pour ma rénovation des mondes, uniquement un jeu de base, plus le pack Strangerville. On est sur des manoirs victoriens, ce qui est un de mes styles préférés. Faudrait que je remonte le petit... Voilà. Ça, par exemple, c'est la location. Dans ma rénovation des mondes, il y a une location dans chaque ville. C'est-à-dire que vous pourrez partir en vacances dans chaque ville du jeu. Donc tu as des maps où tu ne refais tout. Donc tu as des maps où tu refais tout. Ah oui, non mais là, toutes les maps sont refaites. J'ai quasiment tout fini. Hein. Là, j'ai fini Tomarang, il me reste plus qu'à faire San Mishuno et j'ai terminé ma rénovation des mondes. Là, il y a un nouveau monde qui va sortir qui s'appelle Ciudad Enamorada avec le pack Amour Fou. Mais voilà. Il faut de la patience, c'est ça. Voilà, ça par exemple, c'est ma construction, je pense, préférée. Et pour ceux qui ont l'œil, je me suis basé sur cette construction-là pour faire le challenge de Sisourine de la maison de Barbie. J'ai repris cette construction que j'avais faite et je l'ai améliorée. San Mishuno est plus rapide avec les appartements. Il y a beaucoup, beaucoup d'appartements à San Mishuno. Alors cette maison, elle est un peu plus neutre. Si je vous dis que cette maison-là que vous voyez là, c'est une starter à Mount Vamil Simflouz pour pouvoir commencer votre partie sans même tricher. Voilà. Et ça, c'est la maison du maire, par exemple. Ah mais j'ai fait des starters qui sont incroyables les gens, attendez, je vais vous montrer autre chose. Vous allez voir, mes starters elles valent toujours le détour en règle générale, hein, sans vouloir trop me vanter. Par exemple mais... Ah bah... Tomarang il y en a beaucoup des starters. Chestnut Ridge, San Sequoia mes starters. Par exemple, elle est où ma starter? Il y a celle-là qui est une starter. Je sais pas si je préfère la bleue ou la verte. On va vous montrer la bleue. Ma save est déjà disponible sur mon Discord. Comment on va voir ta galerie? Tout simplement, tu vas dans la galerie, tu tapes Mister C1. Voilà, tout simplement, avec un petit 1 et tu pourras me trouver. Vous voyez cette petite maison bleue? Bah c'est une starter, moins de 20 000 simflouz. 18 720 simflouz pour être exact.
tellement doué, c'est si inspirant, mais à la fois ça me déprime de retourner sur ma propre réno et de prendre conscience que je ne suis pas capable de faire des choses comme ça. Alors faut pas se mettre la pression et pas se comparer aux autres. Si ça peut te rassurer, je trouve que moi-même je ne construis pas spécialement ultra bien. J'estime qu'il y a des constructeurs qui sont bien mieux que moi, j'estime qu'il y a des créateurs de contenu qui sont bien mieux que moi en termes de construction. On se compare toujours aux autres. Donc vraiment, si toi tes constructions te plaisent comme elles sont, et ben c'est l'essentiel. Et c'est fonctionnel. Alors bien sûr, c'est une starter, donc elle est très peu meublée, mais elle l'est quand même. Voilà. En plus, celle-ci, elle a deux chambres. On a une autre maison ici. Ils vont pas entendre. Mais c'est, après, je suis quelqu'un qui a tendance à beaucoup se dévaloriser souvent sur mes, pas que sur mes construits en règle générale, mais oui. Après, je suis content que mes constructions vous plaisent. Hop là. Et voilà, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre en starter assez ouf que j'ai faite. Je sais plus. Merci, Patachou. Bah, c'est à toi pour le faux. Bah, si, j'ai une idée. Del Sol Valley. Del Sol Valley a été un calvaire pour à rénover. Mais j'ai réussi à faire des petites dingueries. Je vais vous montrer des trucs, je pense que vous n'êtes pas prêts. Le problème des terrains des starters, c'est que les terrains sont très grands. Il y a un terrain, c'est 50-40. Et d'où que j'ai créé trois maisons à l'intérieur, uniquement une fonctionnelle, les deux autres ne le sont pas. Mais regardez. Voici le terrain de Del Sol Valley. Techniquement, il va de ici jusque là. Cette maison-là à gauche, cette maison-là à droite, ce sont des fausses maisons. La vraie maison qui est la starter et qui est fonctionnelle, c'est celle-ci. Alors on est une petite starter pareil, hein. Généralement la décoration à l'intérieur, je fais quelque chose d'assez sommaire, c'est une starter, donc c'est pas très grave. Et voilà. Regardez-moi l'extérieur, est-ce que vous voudriez pas commencer la partie sur cette petite maison toute mignonne? Je vous considère comme un bon constructeur, mais je sais que toi tu construis mieux que moi, de toute façon. On trouvera toujours quelqu'un, mais bien sûr, on trouvera toujours quelqu'un mieux, de mieux. Hein. Après avec le pack Alloy, on peut rendre ces terrains plus vivants, et oui aussi. Voilà. Et la maison jaune qui est là, c'est aussi une starter. À moins de 20 000 simflous. Et en fait, comme je trouvais les terrains trop grands, et ben ce que j'ai fait, c'est que je me suis amusé à mettre des fausses maisons du débogage. Voilà. Et j'ai créé une fausse piscine. Parce que spoiler alerte, ça, ce n'est pas une piscine. Je me dis, mais comment ça, c'est pas une piscine? Non, ce n'est pas une piscine. Je crée des piscines à 0 simflous. Du coup, elle n'est pas fonctionnelle en tant que piscine, elle est uniquement décorative, ce qui est pas plus mal, hein. Ça veut dire que vos Sims, ils aillent se baigner en plein hiver et qu'ils crèvent bêtement. Moi, je vous fais des piscines à 0 Sims. J'exploite en fait deux techniques dans les Sims et un bug pour le faire. Et coucou, Kurumi, comment tu vas? Voilà. Y habiter IRL m'irait bien. Bon, moi, peut-être pas celui-là. Moi, je préférerais mes manoirs Victoria quand même. Et voilà. Donc ça, c'est ce que je fais un peu pour ma réno des mondes. Mais j'ai quasiment rénové tout. Il me reste plus, actuellement, il me reste plus que San Michuno à rénover. Et la future nouvelle ville qui devrait arriver. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Mon Komorebi, parce que j'ai construit dans tous les styles différents. Possibles et différents. J'ai construit sur un style japonais. Genre... pardon. Je vais vous montrer la starter que j'ai fait à mon Komorebi. En vrai, elle est très jolie, je trouve. C'est le mieux, on est d'accord. Voilà. Ça, là, c'est une starter. Moins de 20 000 simflous. Vous pouvez commencer votre partie ici. Ah, 19 257 simflous. À un moment, j'ai construit au bord de mer une plage. Et impossible de faire une piscine, c'est pourquoi. Oui, tu ne peux pas faire de piscine sur une plage. Essaye de mettre d'abord une fondation et après mets la piscine sur la fondation. Ça peut peut-être fonctionner, mais je suis pas sûr. Et je l'ai fait vraiment dans le style japonais. Il
Et la nuit, elle rend bien en plus. Regarde avec les petits lampions. Je crois que même les fondations, ça ne fonctionne pas. Il me semble que ça fonctionne pas de mettre les piscines dans le sable. C'est normal que j'ai pas le son. Coucou, comment ça que t'as pas le son? Pas le son de quoi? De ma voix ou du jeu? En principe, TikTok, y a pas de souci. Cela, moi, je vois bien que vous entendez mon son et vous entendez le. Alors, le jeu, y a pas spécialement de musique sur le jeu, moi. Ça, c'est mon Komorebi, c'est le pack Escapade enneigée. Et voilà. On va retourner sur le challenge de 6 sous. Voilà, la marque est jolie. Les couleurs, ça change de ce qu'on a dans le jeu. Bah oui. En fait, moi, ce que j'aime bien avec certains packs d'extension, c'est que ça change réellement. Faut que je fasse du tri dans mes sauvegardes. J'ai 3 millions de sauvegardes qui servent à rien. Je ne sais pas si vous avez entendu. J'ai Noxy qui vient de faire une connerie. Attendez, je reviens. Noxy vient de faire tomber une étagère de ma penderie. Du coup, il y a tout qui s'est cassé la gueule. Je sais pas si vous l'avez entendu. Ouais, si, ça a fait trop la gueule. Oui, parce qu'il y a tout qui est tombé, c'est tombé sur mon bureau. Ouais, fais la maline. Non. Va. Non. Mike. Elle fait la péteuse, là. Elle est pas bien, là. Elle a la queue tout ébouriffée encore. En plus, tu sais que t'as pas le droit d'aller là. Noxy, la tornade. Noxy, pour ceux qui ne savent pas, c'est mon chat. Et Noxy fait que des bêtises. Hop, du coup, on va retourner sur la construction de la copine Sissou. Et paf, le chat. Attendez, je veux voir le clip. On entend bien en plus. Attendez, parce qu'en fait on voit pas avec ma tête. Ça a tout fait tomber. En vrai de vrai, il est marrant le clip. Je mettrai une petite musique, je pense, et peut-être que je le plaudrai quelque part. Enfin bref, c'est Noxy toujours à faire des bêtises quoi. Je commence à être habitué. Je pense que ton chat veut l'attention que tu. Ah non mais Noxy c'est clairement ça. Hein. Noxy c'est une pick me. Hein, Noxy elle veut toujours avoir mon attention, quoi que je fasse. Quelqu'un sait comment enlever les CC? Tu vas dans ton dossier mode et tu supprimes les fichiers CC. Tu vas pas y retourner? Non, par contre t'as tourné. Quand j'ai entendu, j'ai cru que c'était un orage. Non, c'est tout est tombé. Du coup, on était sur le challenge de 6 sous et on est dans le caca. Parce qu'en fait, on n'a pas la place de mettre ce qu'il faut. Mais je sais pas comment je vais faire là. Parce que là, on a dit salon, salle à manger, cuisine, une chambre, deux chambres. Là, du coup, le bureau, mais la salle de bain, elle est où? Là, il n'y a pas de place pour une salle de bain. Et je peux pas avancer la maison et je peux pas non plus la reculer. On est dans une impasse, les gens. Comment je vais faire? Je sais pas. Parlant de chat, j'en ai un, moi, il miaule pas, c'est bizarre. Bah en vrai, Noxy n'a miaulé pas dans mon ancien appartement. C'est que depuis que j'ai emménagé ici il y a 4 ans que Noxy a commencé à miauler. Sinon avant elle a jamais parlé. Elle a jamais miaulé. C'est très rare. Donc tu as quelqu'un. Tu en as. Tiens, j'imagine pas si t'avais deux chats, la jalousie serait totale. Oui, Noxy est très très possessive. Avoir un deuxième animal, ça serait impossible.
Il faut la chambre, j'avais oublié. Mais c'est ça, il faut deux chambres. Il faut deux chambres et un bureau. De moitié. Mais le problème, c'est que le bureau le réduire de moitié, c'est pas possible. Ou alors, je fais ça. Du coup, ici, il y aurait les toilettes, la salle de bain. Ici, il y aurait une chambre, une deuxième chambre et le bureau ici. Mais la vache, il y aurait que des portes. Mais pourquoi pas? Ouais, bah en vrai, je pense que j'ai pas le choix. Hein. Il y a que comme ça que ça passe. Ouh, mais non. J'ai trop le seum parce que... Oh, merde. Ah oui, mais non. Oh. Ah, mais non, mais j'avais trifouillé ici, du coup, ça marche plus. Ah, j'ai trop le seum. Il faut qu'on trouve une solution. Sinon, la cuisine, je l'agrandis encore. Ça ferait une cuisine un peu plus petite. Enfin, un peu plus grande, pardon. Le problème n'est pas réellement résolu, tu me diras. Ah, je sais pas comment je vais faire. Là, le problème, c'est que si je fais ça, là, non, viens là, toi. Alors, je te récupère, je te fais ça comme ça. Bah, c'est moche. Mais attendez. Je crois que je suis en train de me créer un faux problème. J'ai juste à faire ça. Attendez, toi, bouge. Pourquoi je peux pas l'enlever? Bah toi je t'enlève. Bah, juste à faire ça. Oh, deux fois je me prends la tête pour pas grand chose. Là, et puis toi on te récupère. Le seul hic, ça risque de pas être beau. Ça passe. Sauvegardons. Hop. Toi c'est guerre, j'aime moi. Bah moi ça va, je me débrouille pas trop mal. Ça passe. Après je fais par créateur, donc parfois je mets 10 ans d'un coup dans mon dossier et je relance mon jeu. Ah pour les CC. Comme je vous ai dit, moi je n'utilise pas du tout de CC, donc alors, on va mettre les petites fenêtres. Alors, les fenêtres, vous allez voir, on va leur réserver un petit lifting après. Dans le sens où on va utiliser les décorations de vampires, on va les briser. On va mettre des, comme si elles avaient été détruites. Non, ça va être compliqué, là. Là, pour mettre les fenêtres, ça va être un calvaire. Un, deux. Un, deux. Là, alors le lit, il fait 3, donc je peux le mettre là, techniquement. Hop, donc un, deux.
Et on va le mettre là. 1, 2. Ah, je l'ai monté de 3 sans faire exprès. Parfait. D'ailleurs, si, c'est ça que je voulais vous parler. Au niveau du planning pour le reste de la semaine, du coup, demain, pas de stream, vous le savez, parce que lundi, c'est ma journée de repos. Lundi, pas de stream. Mardi stream à partir de 19h30 sur la suite du challenge de Sissourine. Mercredi, exceptionnellement, pas de stream, je ne suis pas disponible. J'ai un repas avec ma maman qui est prévu. Jeudi, on sera sur du Sims également. Vendredi, on sera sur du Stardew Valley. Et puis dimanche prochain, on sera également sur le stream, sur le challenge de Sissou, si on ne l'a pas terminé. Je pense pas qu'on l'aura terminé, donc on sera encore dessus. Comment ça se fait que tu places tes fenêtres avec orange au lieu de vert? Parce que ces fenêtres-là, ce sont les fenêtres qui viennent avec le pack d'extension Grandir Ensemble. Et donc, du coup, elles sont buggées du cul. Enfin, en fait, c'est celles qui te permettent de pouvoir faire le mur. Et en fait, elles sont orange, juste pour te spécifier que tu peux faire le mur. Ou que tu ne peux pas. Merci Néhémie, merci à toi pour le follow. Merci beaucoup. Voilà. Et là, on va en mettre une de chaque côté. Je ne suis pas en train de regarder le budget, c'est très risqué. Après, c'est peut-être à 49 simflouz, ça devrait le faire. Regardons. Yes. Si elles sont oranges, tu peux faire le mur, donc pas de peinture. Comment ça? Je sais pas. Oula. C'est quoi ton idée de galerie? Ouais, attends, je te donne ça, Katou. Mon idée de galerie, c'est Mister C1. Oh, regarde, ça va apparaître dans le chat. Ah bah, j'avais pas vu Shioko, merci. Donc voilà. Bah franchement déjà j'aime bien. Tu as un compte Insta où tu publies ton programme? Oui. Oui, je publie mon programme sur Twitter, sur Insta, sur Discord. Il est partout, on peut pas le rater. Je mettrais bien celle de saison. Saison de là. Alors faut que je vois encore parce que la toiture pour l'instant je suis un peu dubitatif. J'ai envie de mettre des grands murs, mais si je mets des grands murs, ça va être une torture à meubler à l'intérieur. Non, à l'intérieur, ça rend pas bien. On reste en moyen mur. C'est juste que mes toitures, elles sont trop... Attendez, la maison, je peux la faire... Attendez. Peut-être. En fait, ce qui me choque depuis tout à l'heure, c'est peut-être parce que mes toitures sont trop hautes. Voyons voir. Si je baisse mes toitures, ça donne quoi? Ah! Ah bah je préfère en plus haute. Ouais non mais je préfère en fait parce que j'ai mis des toits, c'est pour ça. Parce que j'ai mis des murs à l'intérieur, c'est pour ça. Non bah en vrai on va laisser ça comme ça. Ici on essaiera de trouver une idée pour les... Si faut mettre une corniche, faut qu'on mette des... Et ça, je vais y arriver. Excusez-moi, j'ai du mal à parler ce soir. Oh. C'est la fatigue. Et pourtant, j'ai rien fait de ma journée. Enfin, rien fait. J'ai pas fait grand chose de ma journée, quoi. Rien qui justifie en tout cas d'être fatigué comme ça. Alors, par contre. À mon avis, on va pas mettre ce toit-là. On va mettre plutôt celui-là. Alors, oui, calmons-nous. Oh, c'est pas beau.
Ah, j'aime pas du tout. J'aime pas. Peut-être mettre plutôt celui-là. Bah, limite, je préfère. C'est toujours compliqué hein, de faire les toits dans le jeu. Faire des compromis. Hop là. Alors là, on va faire la même chose. Ouais, on va venir faire ça. Yes. Attendez. Plein. Tu en es où niveau budget? C'est vrai que j'ai pas trop regardé. On est à 14 000. Il nous reste, attention, c'est écrit en bas. Il nous reste 25 000 simflous pour meubler. Ça va. Hein. On est large. D'ailleurs, je viens de voir Oli. Vous savez que je suis partenaire avec Oli. J'ai vu que quelqu'un a mis. A passé une commande. J'ai vu ça. Quelqu'un a passé commande. Je sais pas qui c'est. Si jamais c'est passé dans le chat, n'hésite pas à dire. Je sais que j'ai reçu un petit message tout à l'heure en mode que quelqu'un avait commandé. Ça serait pas toi par hasard, Shiyoko. Tu commandes souvent. Juste pour remercier la personne. Alors bien sûr, on va mettre les corniches. Alors le problème des... Oh merde. Oh, je veux trop mettre ça. C'est pas moi. Ah, c'est pas toi cette fois-ci. Ok, je croyais. On va changer, c'est sur la tronche de la toiture. J'aurais trop voulu mettre ça. Un petit cachet ici. Après, peut-être pas là. Oh, si, ça rend bien. Ouais, alors là, par contre, ça me casse les pieds à chaque fois. Ça me fait le coup. Ça coïncide pas, c'est trop chiant. Écoutez, là, ça coïncidera pas, c'est pas grave. Ça coûte combien? Ça coûte des simflous, ça? Non. C'est pas logique, d'ailleurs, ça devrait coûter des simflous. Ça va bientôt être le cas. Ah ouais? Bah, j'ai toujours pas reçu, moi. Je sais que je dois recevoir normalement les trois nouveaux goûts qui sont sortis la semaine dernière. J'aurais dû les recevoir normalement vendredi, mais vraisemblablement, le livreur est pas passé. Donc, bah, je pense qu'on fera la dégustation la semaine prochaine, quoi. Alors par contre, la toiture, j'aime pas. Parce que celle avec la mousse, je trouve ça très dommage parce qu'en fait, c'est qu'il y a trop de mousse. Le mettre à certains endroits, pourquoi pas. Ouais, enfin c'est... Je sais pas, je pense que si je le mets partout... Ça va faire vraiment bizarre. Quoi que. En vrai, de vrai, pourquoi pas essayer? Parce que j'ai envie de mettre des arbustes dans la toiture et tout. Pourquoi pas? Après, ce que j'aimerais faire aussi, techniquement, c'est de la toiture, donc... C'est créer en fait des fausses fenêtres. Comme ça meuble un peu. Ça évite que ça fasse trop mastoc. On te récupère. J'aime bien. Et là, je pense qu'on en mettra une ou deux aussi. Et ça commence à bien rendre, je trouve. Est-ce que ici, je peux mettre ça? Je crois qu'il existe un peu enfoncé.
Ah ouais, regardez, ça fait sale. J'aime bien. Si je mettais genre ça. Hmm. D'accord, si je mets tout le rez-de-chaussée en briques. C'est un test, hein. Me tapez pas tout de suite. Non. Ah, je sais pas. Ouais, d'accord, si je mets en briques au rez-de-chaussée, c'est bizarre. Moi aussi, je... Attendez, j'ai raté plein de messages. Hop là, Clément, oublie pas la porte pour l'accès jardin. Oui, tu as raison. La porte, d'ailleurs, on va la mettre ici. On va la mettre là. La porte sera ici, côté cuisine. Ce qui me fait penser d'ailleurs qu'il faut faire un petit perron. Qui va encore complexifier cette histoire de quoi ça s'appelle ? De toiture. Hop, quelle heure il est ? Ça va. Voilà, et oui, on va sauvegarder aussi. Oui. Il nous reste encore 20 000 simflouzes. Coucou Virginie, pour pouvoir meubler l'intégralité de l'intérieur de la maison. Vraiment, on est large. Puisqu'une grosse majorité de ce qu'on va utiliser vient du débrouillage. On est sur une énorme maison. Donc, Sissou elle veut du cozy, elle veut à la fois du cozy, mais à la fois, c'est une maison qui est abandonnée, donc c'est un peu compliqué. Doit être dans son jus, c'est-à-dire des papiers peints sales, déchirés, des meubles usés, ou juste posés. Alors déjà, on va beaucoup, je vous le dis, utiliser ça. Alors attendez, c'est dans quoi ? Décoration. Ici. On va utiliser tout ça, les toiles d'araignée, les murs cassés, ça, les moisissures, les taches au mur. Vraiment, on va utiliser ça, mais à outrance. En vrai, je vois parfaitement ce que veut Sissou. C'est le genre de maison que moi-même je veux acheter. Des maisons qui sont dans leur jus, qui ont un... Mais Sissou a dit petite maison. Et Sissou elle a demandé une salle à manger, un salon, une cuisine, deux chambres, un bureau, une salle de bain et des toilettes séparées. C'est le strict minimum. Hein. Les chambres sont méga petites. Il y a le salon qui est certes un peu grand. J'ai pas le choix. Elle donne quoi sur la galerie, la maison ? Elle rend bien. Et tout ça pour moins de 40 000 simflouzes. Ouais, tout ça pour moins de 40 000 simflouzes en plus. Et ouais. Ça coûte 140 simflouzes cette merde. Oh là là. On fera ça avec le débogage. Attendez, je cherche ça. Oh, mais c'est une blague, ils sont trop petits. Ils sont trop grands. Génial. Échelle 1,5, je pense. Merde. 1,5, j'ai dit.
Alors, c'est des volets américains. Donc, je vais en mettre un de chaque côté. Je sais que ça n'a pas de sens. Mais il faut savoir que les volets aux États-Unis ne servent à rien. Les volets sont cloués. C'est des objets de décoration. Et généralement, les volets sont plus petits que la fenêtre. Donc, ils servent littéralement à rien. Est-ce que je peux faire une rotation de ce truc-là ? Souvent, on peut pas. On peut. On va peut-être pas faire 35. Rotation moins 5. C'est pas ça que je vais faire. Changer l'axe. 0. Oui, mais je l'ai pas sectionné. Rotation moins 5. Encore. Rotation moins 10. Voilà. Ça, j'aime bien. Au niveau de l'extérieur, on va partir sur les arbres de vampires. Ce sont des arbres morts. Alors, pas celui-là, parce qu'il ne faut pas déconner. Celui-là non plus. Il y en a des plus jolis. Ça, c'est vieux ranch, c'est pour ça qu'ils sont pas beaux. Regardez, juste mettre la boîte, juste mettre ça comme ça, ça rend trop bien. J'ai pas encore commencé. J'ai pas commencé encore. Pas sûr de faire le challenge construit. Coucou Kimberley. Moi, pour le coup, au début, j'étais pas chaud et au final, je me suis hypé tout seul aussi. C'est pas si grand là en plus. Non, c'est pas si grand que ça. Hein. Le terrain est très petit. Hein. Il fait 20 par 30 pour ça. Pour l'instant, j'ai fait tout mon jardin avec le jeu de base et intérieur fleuri. Et je crois aussi île paradisiaque. Pour le jardin, pour le challenge de 6 sous. Alors, je sais plus. C'est quoi que je veux utiliser ? Je veux trop utiliser ça. Ouais, je vois. Il y a ceux-là qui sont cassés aussi. Et ça, c'est du débogage, ça coûte 0. Tout ça, ça coûte 0 simflouz, donc c'est très pratique. Et on va pas se prendre la tête, on va directement aller dans éditer en direct, et on va aller récupérer des trucs là-dedans. Vu qu'on a tous les packs d'extension, on va agrandir le débogage, et on va sélectionner les objets, on va les placer à l'arrache, juste pour voir, ah ça c'est pas mal, ça on peut le récupérer, ça c'est bien. Genre par exemple, ces genres de trucs là, on les pose, on va sûrement en avoir besoin. J'aime l'idée qu'un arbre soit tombé, donc on va venir le réduire temporairement et on va le placer là. J'ai oublié ce challenge et je me lance dans la constru. Je n'ai pas fait celui de Barbie, que j'ai à peu près... j'ai fait que celui de Barbie, que j'ai à peu près réussi, mais je trouve celui-là galère. Mais en fait, quand on doit construire quelque chose de détruit, en réalité, les gens pensent que c'est simple, mais en réalité, c'est dur, hein. Moi, j'ai déjà fait des constructions abandonnées. J'en ai déjà fait quelques-unes. C'est pas la bonne couleur tout ça. J'ai dit que je voulais faire une piscine et je vais faire une piscine abandonnée. Et attends, je vais la faire tout de suite. Parce qu'elle voulait un jardin. Alors, du coup, elle veut une piscine. Mais je vais lui faire une piscine. J'ai un truc qui vient de me faire rire. On va faire une piscine. Alors, il me faut une piscine sans eau. Donc rien de plus simple. Vous prenez l'outil hop, plateforme. Piscine genre. Mince. Piscine là. En plus, là, avec le prochain pack d'extension, on va pouvoir faire des piscines rondes. Donc on va lui donner un avant-goût d'une piscine ronde. Mince. Ah, mais je crois que ça marche pas quand c'est les trucs qui sont arrondis. Ah merde, parce que c'est arrondi, ça marche pas. Fais yesh. Ça marche pas. Ah oui, c'est que c'est bugué.
Allez, là c'est bon. Mince. Ça, ça réduit de manière artificielle en plus le jardin. Et j'aime me dire qu'il y a une piscine à un moment donné ici, mais qu'elle est à l'abandon. Il n'y a plus d'eau. Je suis sûr de dire, mais je suis presque sûr de ne pas bulldozer mon terrain. C'est déjà pas mal. Hein. Je ne suis pas dur en construction. Mais ça, faut pas se dire ça après. Sachez que vous avez plein de tutos, plein d'astuces, plein de créateurs de contenu. Moi, le premier qu'on vous donne. Si jamais vous voulez tester un peu faire vos constructions, n'hésitez pas. Hein. Ouais, l'abandon, c'est ça. Merci beaucoup, Lauriane, pour le follow. Merci beaucoup. Ça fait super plaisir. À la piscine, tu peux mettre des objets abandonnés. C'est ce que je voulais faire. Et ce que je voulais même faire, regardez, c'est ça. Normalement, ça devrait être faisable. Alors, il faut juste que l'objet veuille bien. Rotation. Là, si je mets 40, 75. Alors, peut-être pas autant. Rotation 35 encore. Dans l'autre sens. Rotation moins 35. Rotation ici, donc 35. Yes. Ce que j'ai envie de faire, c'est ça. Par contre, le jeu va commencer à me casser les pieds là. Et le jeu. Alors ça, par contre, c'est le genre de trucs qui sont quand même très très chiants avec ce jeu. J'aime trop me dire qu'il y a un arbre qui s'est cassé et genre paf, il est tombé. Et coucou Lauriane. Je pourrais mettre un fond d'eau à cause de la pluie. Ça va être chaud patate de faire ça. Je pourrais pas avec ça. Quoique. Non, même avec mon bug, ça marchera pas. J'exploite un bug pour faire ça. Ça ne marchera pas. Ah si, peut-être. Attendez, il y a peut-être moyen que ça fonctionne. De manière invisible, normalement là. Techniquement là, il y a un trou déjà. Donc un peu de chance. Ouais, le trou il est tout petit. Faut que je fasse. Attendez. On va essayer. Mais c'est juste que c'est chaud. Mince. On va le faire plus grand que ce qu'il devrait et après on viendra le corriger. Bah ouais, mais le problème c'est quand... Ah, mais... en faisant ça... On va avoir un souci. Bah non, ça marchera pas. Ah, le jeu, il a compris ce que je voulais faire. Je suis dégoûté. Non mais tant pis, il y aura pas d'eau. Après, je peux toujours faire semblant qu'il y ait de l'eau. Enfin, je vais trouver une solution. Ce sera... Il n'y aura pas de l'eau à proprement parler comme ça, mais je mettrai les taches d'eau. Et coucou Lily. Je veux pas mettre de piscine, je veux vraiment faire une piscine vide. C'est comme ça que je pourrais mettre des trucs dedans. Hop. À la base, je voulais aller dans Edit en direct. Et je voulais aller choper les clôtures. On va aller tout en bas. Tout en bas, on a tous les cailloux. Alors ça, les cailloux, on verra après. Pareil, on a beaucoup de choses à
qu'on peut récupérer. On a tous ces vieux pots là. Voilà. On va voir ce qu'on va en faire. Non. Tu as encore le message du Wisebot du subaton. Ah oui, mince. Attendez, je vais vous l'enlever. Attendez, je vais l'enlever. Tu as raison. C'est le truc que j'ai oublié d'enlever. Les annonces. J'enlève ça tout de suite. Subaton. Hop. C'est bon, c'est désactivé. Ça apparaîtra plus. Des petits trucs en ruine comme ça. Qu'est-ce qu'on va pouvoir récupérer? Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé tous les packs, du coup je suis un peu perdu dans tout ce que je peux utiliser. Viorante, il y a pas mal de trucs qu'on pourrait utiliser aussi. On a une souche d'arbre. Ah oui, c'est la souche d'arbre de... Comment ça s'appelle? Eh ben j'ai perdu le nom. De grandir ensemble. Ouais, c'est un séquoia avec les séquoias géants. Il n'y a pas de séquoia, elle a été coupée. Et coucou Vatna, comment tu vas? Écoute, ça va. On est en train de faire le challenge de 6 sourines. Et on est en train de s'amuser en vrai. Hein. Voilà. Alors ça, je vous le dis tout de suite. On va les mettre de côté. Parce que ça, on va l'utiliser. Bisou a demandé que ce soit fonctionnel, on est d'accord. Ouais, c'est sans séquoia, c'est ça. Sisou, en fait, sa sim 7, si jamais elle prend ma construction, il y aura un barbecue dehors. Et elle fera les barbecues dehors, parce que sa cuisine ne sera techniquement pas fonctionnelle, puisque je veux mettre impérativement ça en guise de cuisinière. Même le frigo, j'ai envie de lui mettre un vieux truc pourri. Tu peux avoir les objets cachés. Hop là, avec ces codes qui... En fait, avec le code du débogage, tout simplement. Tu as des codes avec le débogage qui te permet de pouvoir afficher tous les objets cachés. Regarde, ils vont s'afficher hop, dans le chat d'ici quelques secondes. Par exemple, les pneus qu'on va pouvoir utiliser, tout ce qui est voiture cramé, cassé, on va l'utiliser aussi, ça aussi, ça aussi, ah, peut-être pas. Tout ce qui est déchets, là, vous voyez, tous ces trucs-là, on va les utiliser. Bref, on verra. Bon, à la base, moi, je cherchais juste les barrières. Et les barrières, je pense, celles de loup-garou peuvent bien passer. Celles de loup-garou que je veux. Attendez, j'ai un doute. Non, celle que j'ai en tête de loup-garou, c'est les vraies rambardes. Je peux pas les utiliser, elles coûteront trop cher. Attendez, on va essayer de voir. Loup-garou. Ouais, non, ça c'est celle du jeu de base qui sont déjà détruites. En soi, ça peut passer, mais... Mais non. En fait, celle que j'avais en tête, c'était celle-là. C'est ça. Faut un peu délabrer et tout, mais... Oh, c'est pas si cher que ça. Je vais voir parce que je suis sûr qu'il existe des alternatives du débogage et moins cher. Ouais, on va les casser à des endroits. Alors, par exemple, ici, c'est sûr que ça va être cassé. Ici, je vais mettre un arbre. Là aussi, ça va être cassé. Par là aussi. Par là aussi. Je pense à... Déjà, je sais pas vous, mais je trouve que déjà, rien que la façade, elle rend bien. Juste avec la porte cassée, l'arbre mort, et juste l'effet avec le petit volet cassé sur le côté, déjà, j'aime trop. Ouais, les épaves de voiture, elles sont trop stylées.
La façade est déjà réussie, je trouve. Alors que pourtant, il nous manque encore 90%, peut-être pas 90%, mais il manque une sacrée grosse partie de ce que je veux faire. Alors, il me faudrait les sapinous, et les sapinous qui ont un peu une vieille gueule. Un sapinou qui est pas droit. Mais il est trop vert. Je veux celui-là, mais un peu en jaune. Bon, au pire, on va le laisser comme ça pour l'instant. Ouais, j'ai entendu, hein, si toi veux des herbes hautes, on va lui en mettre des herbes hautes. Hein. Genre, elles sont où? Genre, tous les trucs, pas celle-là, pas celle-ci. Ouais, les trucs un peu comme ça, ça, on va en mettre. Ah, mais du coup, c'est trop peu. Ah, mais du coup, les rambardes, elles sont trop. Ça, c'est trop petit. Ah, bah, on changera peut-être de. De rambarde. Enfin, de rambarde, de barrière. Pourquoi j'ai les saletés qui sont dans le dans les plantes du débogage? What? Ouais, c'est pour le concours de construction de Sissourine, ouais. Merci beaucoup, Marionette, pour le flow. Merci beaucoup. Ah, ces pierres, elles sont dégueu, elles sont parfaites. J'aime trop ce que ça donne. Vampire. Attendez, on va prendre vampire. Là. Mais parfait. Non, ça coûte des simflous, merdasse. Voilà. Là-dessus, du débogage, il coûte moins cher. Bah, il coûte 0 simflous. Et en plus, c'est les mêmes. Juste les réduire artificiellement avec le. Avec les touches. Là. Parfait. Je vous laisse là les petits sushis. Pas de soucis, amour. Bah écoute, bonne soirée à toi. Repose-toi bien. Et puis bah, à la prochaine, mardi peut-être. Avec grand plaisir. Et pas de soucis, Maria. Bonne soirée à toi également. Et peut-être à mardi, du coup. Parce que le prochain stream, ça sera mardi. Et ce qui est trop bien, c'est que ça, ça coûte 0 simflouz. La pauvre Sissou, elle va mettre 12 000 ans. Mais vraiment, elle va mettre 1000 ans à enlever toutes les saletés. Voilà. Merci beaucoup. Et encore, pour l'instant, on n'a pas encore fait grand-chose. Hein. Alors, celle-ci, c'est HM bien. Ah, mais j'ai... Ah. On mettra plus à l'intérieur. Aime se faire du mal pour rien. Oui, mais on aime bien... Mais, de toute façon, moi-même, j'aime bien faire souffrir Sissou. Mais vous aussi, les viewers, on sait que vous adorez faire souffrir les streamers. On le sait. Moi, mes abonnés, par exemple, pour ceux qui viennent du raid, adorent me faire manger des trucs bizarres. Dites-vous que, par exemple, là, nous, on a fait un sebaton hier. Et j'ai mangé des pêches au thon. J'ai mangé une pizza à l'ananas. Genre, what the fuck. J'ai fait une dégustation de chips le Brett, où j'ai dû manger des chips un peu étranges, avec des goûts vraiment bizarres. Il y en a qui c'était des dingueries. Mais alors, le bleu pancetta, c'était dégueulasse. Un vrai sadique, mais oui. L'outil de rotation, c'est le mode tool. Regarde, celui qui ça apparaît à l'écran. Voilà. Les touches PC pour réduire, etc. sont disposées sur Play. Oui, normalement, vous pouvez réduire et agrandir les objets sur PlayStation aussi. Il faut utiliser juste le code bb.moveobject pour que ça fonctionne. Par contre, je ne sais pas c'est quoi les touches, mais je sais que tu peux le faire sur console. J'avais pas vu, t'avais écrit la question sur TikTok. Pour ceux qui sont sur TikTok, n'hésitez pas à passer sur Twitch. Généralement, je réponds plus rapidement là-bas, parce que je regarde un petit peu moins le chat sur TikTok. Et puis, il y a surtout beaucoup plus de monde sur Twitch. Pizza ananas, c'est non. Alors, la pizza ananas, franchement, la pizza ananas, ça n'a aucun intérêt. Genre, gustativement, ça n'a aucun intérêt. C'est pas dégueulasse, c'est pas bon non plus. C'est juste que je vois pas l'intérêt. En fait, tu te demandes ce que fout l'ananas sur cette pizza.
Alors non, je suis désolé, hein. Les pêches au thon, j'estime que c'est du même acabit que les pizzas à l'ananas. C'est... Je vois pas trop l'intérêt. Alors peut-être qu'après je les ai mal préparés, hein, c'est possible aussi. Mais vraiment, je comprends pas trop l'intérêt. Excusez-moi, chers amateurs de pêche au thon. J'avoue ne pas comprendre. En vrai, c'est très discret, mais j'aime bien le fait qu'on ait l'impression que les fenêtres sont cassées. Les touches L2 et R2 en même temps que tu appuies avec les flèches haut et bas. Non, mais attendez, mais faut faire bac plus 75 pour appuyer sur autant de touches. Attendez, je réponds juste à un petit message. Pas si compliqué. Bah en fait je trouve que ça qui est compliqué en fait avec les touches sur, enfin de jouer sur comment ça s'appelle, sur play, c'est qu'en fait c'est que des enfin faut se souvenir de toutes les raccourcis, de toutes les touches, enfin c'est imbuvable le truc. Je vais plutôt mettre lui en noir je pense. J'ai toujours pas compris d'ailleurs le noir et doré. On me dire sur PC aussi, mais bon, sur PC, je trouve ça plus intuitif. Vraiment, déjà, j'aime vraiment bien ce qu'on a commencé à faire là sur cette maison. Alors, je sais pas si on va le dupliquer. Tordu. Non, je pense que lui, on va le mettre droit. Histoire de dire que voilà. Vraiment, je trouve que ça a un charme, ce petit truc en biais, là. J'aime trop. Ici, il faudrait qu'on mette des rambardes. Est-ce qu'on a des rambardes qui font un peu vieillotte? On a ça aussi qui pourrait bien passer. Hmm. Ça fait un... Ouais, ça fait vieux mur. Enfin, pas en noir, en tout cas. Non plus. Oula. Je sais pas ce que je veux mettre ici. J'aurais voulu mettre un vieux truc, mais bon. C'est les créneaux. Je sais pas quoi mettre. Celle-là non plus. Oh, j'aurais pu mettre ça. Ça fait un peu suburban house, un peu, mais... Ah, ça existe en full blanc. Ah, pourquoi pas. Pourquoi pas. Je vous laisse ici pour ce soir. Bonne chance pour la construction. Mais ça fait pas de soucis, Loïc. De toute façon, nous, on va se laisser d'ici une dizaine de minutes aussi. Donc, mais pas de soucis. Merci d'être passé. Et puis à la prochaine, avec grand plaisir, si jamais tu veux repasser. Et coucou sur TikTok à tous ceux qui sont sur TikTok. Ok, j'ai reconnu... 1000 subs que tu as offert. Qui a offert 1000 subs? Il y a quelqu'un qui a offert 1000 subs chez Sissou? Vache. Non, 100 subs. Pardon. 100 subs, j'ai lu 1000. Parce que 1000, je me suis dit, c'est beaucoup. J'ai vu quelqu'un qui m'a offert 100 subs d'un coup aussi, moi, sur Twitch. Ça est arrivé il y a 2 mois, je crois, si je me souviens bien. J'avoue, je faisais pas le malin. Et ça, sur console, c'est aussi... C'est pas aussi simple sur PC. Il faut juste comprendre les codes une fois sur console et bien comprendre la manette et ça passe. Il faut juste être habitué à rentrer les codes. Oui, c'est ça. Hop. On a atteint les 1000 subs pendant ce bâton. Oui, bah je sais, Sissou m'a raconté.
Mais c'est trop bien. Vous êtes des fous, mais c'est trop bien. On allait à 1200 et quelques subs, c'est énorme. C'est plus un subat, oui, c'est un triathlon de sub, c'est ça. Plus 70 heures de stream. Bon, c'est pas mal, c'est vraiment ouf. Je l'ai sélectionné, non. Ah mince. Oh. Ah ouais, mais là par contre, ça va être un peu plus compliqué si ça dépasse. Oh, c'est pas grave. Et on va mettre celui-là aussi. Ah, t'as la fenêtre qui pile dessus. Ok. Ok, elle a bien son accès jardin. Déjà, attendez, je check si tout est bon. Bon, là, on mettra une fondation pour camoufler tout ça. On va peut-être le faire tout de suite d'ailleurs. Avant que ce soit irrattrapable. Hop. Je sais pas ce que j'ai gagné en thunes. J'aime pas quand j'entends ce bruit là. Et là, je vais faire la même chose. Vas-y. C'est quoi ce bug? C'est trop chiant. Avant, on pouvait spam clic dessus, maintenant on peut plus. Je suis obligé de cliquer morceau par morceau, quoi. J'aime pas quand ça dépasse comme ça. Là, au moins. Je suis obligé de cliquer, sortir, c'est très relou. Voilà, ça, hop, on fait comme ça. Je crois que ça se verra. Ah bah oui, ça se voit. Voilà, mais au moins comme ça, on voit bien que l'étage, entre guillemets, n'est pas fonctionnel, mais si un jour Sissou veut l'utiliser pour son challenge, si jamais c'est moi qui suis sélectionné, hop, c'est possible. C'est peut-être mieux comme ça d'ailleurs. Cette maison commence à être de mieux en mieux. Là-bas, j'avais dit que je voulais pas mettre la mousse, et au final, ça rend vachement bien. Par contre, ce qui rend pas bien, c'est cette espèce de bug là. Que je viens de comprendre d'ailleurs. Ouais, j'aime pas, ça fait un petit truc chelou là. J'ai une idée. Si je fais ça. Ah ouais, mais si je fais ça, ça fait un truc bizarre. Voilà. Parce que je veux pas qu'il y ait l'espèce de délimitation étrange là. Donc là, on la voit. Là, on la voit de ouf et j'aime pas ce truc-là. Bon, je sais pas trop comment on va faire. À la limite, ici, c'est quoi? Je vais camoufler. Je sais pas trop comment, mais on camouflera ça. Ouais, je sais pas encore. On verra. Je mettrai un bout de buisson. Je vais filer aussi demain boulot, faute de dodo. Bonne soirée tout le monde. Et bravo encore pour cette construction, même si elle n'est pas encore finie. Merci beaucoup, Delph. Merci beaucoup. Hop. Et bah écoute, à la prochaine avec grand plaisir. De toute façon, on va pas trop tarder. On va partir ouais, d'ici 10 minutes. Encore que je me fasse à manger. Ah, une parabole, ouais. Antenne parabole, c'est une très bonne idée. Elles sont dans... Je sais plus si elles sont... Non, la parabole, elle est dans... Elle est pas là... Ah, si, elle est là. Voilà, ni vu ni connu, je t'embrouille.
Change la couleur. Par exemple, un peu plus grise. Ça peut le faire. Je vais y aller, cela était trop bien, bonne soirée, pas de soucis Mimi. Bah écoute, à la prochaine également, si jamais tu veux repasser, nous le prochain stream sera mardi à 19h30. De toute façon je vous mets le planning tout à l'heure là, d'ici une petite heure, je vais aller me faire à manger. Je vais me faire à manger après, je vais me faire à manger pour demain, je sais pas ce que je vais me faire à manger au boulot. Faut que je vois. Hop là. En tout cas, la maison commence bien. Et il nous reste, vous voyez, encore 23 000 simplus pour tout meubler. Franchement, je pense que c'est faisable. Hein. Imaginons qu'on commence juste à mettre, par exemple, les objets qu'il faut. Pour être sûr que, bah voilà, on ait les sous. Au niveau des lits, on va tout de suite mettre des lits pourris. Genre des lits moches, genre lui. Non, c'est même pas lui. Il y en a un autre. C'est pas celui-là. C'est celui avec écologie, je crois. Écologie. Avec, franchement, écologie, banger pour faire ça. Bah, ils sont... Où sont... Ah, ils sont... J'ai dû désactiver le débogage sans faire exprès. Voilà. Celui-là. On créera une fausse tête de lit, je pense. Et en plus, il coûte 25 simflouz. Ça coûte rien. C'est plutôt pratique. Voilà. Vraiment écologie banger pour ça. Je comprends qu'on puisse pas aimer le thème écologie et tout, parce que c'est le pack est un peu mal amené par rapport à ça. Mais les objets sont très stylés. Quand on veut faire des trucs vraiment dégradés à l'abandon, ça passe nickel. Il y a tous les déchets, il y a tous les trucs qui sont rajoutés. Il y a même plein de trucs à faire avec les vies abandonnées, avec les canettes détruites, les caisses de... Mais c'est oui. Les caisses de jus pétillant, exactement. Puis t'as tout ça en fait, t'as tous ces objets-là. Comme ça, je peux trop le mettre, voyez, dans la chambre. Ça, on a dit que c'était la salle de bain. Oh, je viens d'avoir une idée. Mais ça prendra trop de place. C'est dommage. Sinon, je l'aurais fait. J'aurais mis le chauffe-eau. En vrai, je peux m'amuser à le mettre dans la... Ah, attendez. Spécial pack. Ah, je vais te passer. Ah, mince. Écologie, oust. C'est dans l'affiché tout. Voilà, alloué. Je peux trop déjà m'amuser à mettre ça. On pourrait agrandir, mettre la version un peu délabrée. Yes. Je crois qu'il aurait dû rester dans la poubelle où il est né. Pour ceux qui ne savent pas, Lucifred déteste énormément ce pack d'extension. Et regardez, c'est même pas choquant le fait que ça ne soit pas mis au plafond, parce que comme c'est pile dans la rainure du bois, on a l'impression que la moisissure commence à cet endroit-là. Ah, le chauffe-eau, j'aurais trop vu le mettre dans la salle de bain, mais si je le mets, il n'y a plus place. Je pense que les Sims s'y passent plus. Attendez, j'ai une petite idée. Là, et les toilettes. Je vais être gentil, je vais lui mettre des vraies toilettes. On lui met ça, tu sais. Non, mais genre les toilettes noires. Est-ce que le Sims, il peut passer? Ah, mais oui, ouais, en réduisant légèrement la taille, c'est pas une mauvaise idée. Ouais. Oh. 0,8 échelle 0,9
Ouais, peut-être qu'en 09 ça ira mieux. On verra pour les toilettes après. Je veux juste savoir si le Sims peut aller là. Le Sims peut parfaitement passer. Le Sims peut parfaitement passer. Réduire la taille des... Ça, c'est bon, j'ai lu. Élever des toilettes en dehors de la salle de bain. Non, elle a pas dit en dehors. Ah mais oui, non, je suis con. Oui, c'est vrai, tu as raison. En plus, je l'ai fait là, les toilettes. Donc, bah, c'est parfait. Non, tu as raison. Coucou Tom, t'arrives un petit peu à la fin du stream, Tom. Et oui, c'est vrai, tu as raison. Les toilettes doivent être ici. Bien, redonnez-moi des simflouz. On est pas mal. On est pas mal. On va mettre une cheminée. Vous savez, je ne peux pas faire de maison sans cheminée. Alors, on va mettre une vraie cheminée. Je vais mettre celle-ci. Celle-ci, elle fait trop, elle est trop grande, trop mastoc et pas dans le style de la maison. Celle-ci, pareil. Celle-ci, j'aime pas. Celle-ci, en vrai. Je sais pas encore quelle couleur. On va la mettre en marron foncé. Bon, après, on a celle-ci aussi qui passe. On verra. C'est du gameplay. Nope. Nope. Là, on fait le challenge de 6 tourines où on doit construire sa maison pour son futur, pour la future suite de son let's play. On doit faire une maison dans son jus, un peu abandonnée. Voilà. Et là, voilà, on est sur une maison qu'il faudra bien rénover, quoi. Et je pense que ça va être agréable, elle va être agréable à jouer, je pense. Moi, je l'espère. Et la salle à manger, je vais la faire là. Là, bon, on va légèrement la mettre en biais. Et après, on mettra que deux chaises dessus. Toutes les autres, on les mettra avec le mode tout le retourné. Mais écoute, ça va. Je commence un peu à fatiguer. De toute façon, on va se laisser. J'ai faim. Je me fasse à manger. Je me fasse à manger pour demain aussi. Et je pense que la maison devrait être agréable à jouer une fois qu'elle sera refaite, entre guillemets, rénovée. Je pense qu'en vrai, il y a moyen qu'elle soit sympa. Ah. Non, c'est bon. Le petit screen pour la miniature et du coup on va devoir se laisser malheureusement. Hop, on va se regarder. Je regarde, il y a qui rentre streamer chez les copains. Et laisser après. Alors voyons voir. Alors, il y a Pixia, mais elle accepte pas les raids, si je dis pas de bêtises. Pas la moindre idée chez qui je vais vous envoyer ce soir. Vu le dimanche soir, il y a plein de copains qui stream, mais là j'avoue j'en ai moins. Il y a du monde. Plein. La maison a super potentiel. Ouais, la maison a un très gros potentiel. Je suis d'accord. Je sais pas chez qui je vais vous envoyer. Là, pour le coup, j'avoue, j'ai pas d'idée. Je sais pas. Vous savez quoi, je vais vous aller chez TVCC. Hop, l'entraîneur du Stardew Valley. Slash Red. Vous envoyez là-bas. Alors, hop. Et bien écoutez, merci à tous d'avoir été là ce soir. Encore une fois, ça m'aura fait très plaisir d'être en stream
avec vous. On se retrouve du coup normalement mardi à partir de 19h30 pour la suite de la construction de cette maison pour Sissourine. En tout cas, j'ai bien apprécié vraiment. Le live est passé très très vite. D'ailleurs, merci à tous ceux qui ont follow la chaîne. Merci aux resub et aux sub qu'il y a eu. Merci également à tous ceux qui sont restés du raid. Ça m'a fait très plaisir d'être avec vous ce soir. J'espère que vous aurez apprécié mon style de stream qui est différent par exemple de celui de Sissou. Sissou, c'est un peu plus énergétique. Énergétique. Moi, c'est un peu plus posé, un peu plus tranquille. C'est très chill chez moi, mais voilà, où je fais que de la construction. Mais voilà, en tout cas, j'espère que vous aurez apprécié. Je vous mets le planning d'ici une petite heure sur Discord et je vous les mettrai dès demain sur les autres réseaux sociaux. Quant à moi, je vous laisse partir chez TVCC qui est en train de faire du Stardew Valley. Donc n'hésitez pas à mettre des petits emotes quand vous arrivez sur sa chaîne, ça lui fera sûrement super plaisir. J'ai des petits emotes Pikachu qui sont là pour ça. Mais donc voilà, passez une excellente fin de soirée, reposez-vous bien, bon courage pour ce début de semaine et on se dit rendez-vous mardi 19h30. Bye tout le monde.